Merci beaucoup pour le red scene Comment vas-tu Salut les be salut Psychram, coucou Gounelle, coucou Lily, et Suzy bonjour Hudson. Hello. hello Lulu, hello tout le monde. <coughs> Comment allez-vous Est-ce que on a mis les trois mots de la semaine dans le... Oui. le point des chaîne Très bien. Ils y sont, ils y sont. Par contre, faut enlever l'inscription. Euh, elle y est toujours. Oui. Ah oui, effectivement. Ouais, euh... Comme ça. <laughs> bah, tu sais, sur le laisse, il y a juste Abigor qui va dépenser ses points de <laughs> ouais. Pardon. Oh bah, t'as surtout pas t'excusé t'excuser d'être malade. Hein. Ça, ah. c est, c est, il manquerait plus que ça. Et comment ça va, Lily Comment ça va, Gwen Comment ça va, tout le monde Let's be Dorian. Merci beaucoup Merci. pour ton risseb dorian. Merci beaucoup. Merci pour le resub, oui. Il y a gentil. le chat qui cache le chat, mais c'était pour vous faire plaisir, ça. Bah ben oui, moi je comprends pas. Je voulais pas montrer mon visage. Je suis, suis anonyme, <laughs> mais en fait personne ne <laughs> sait que moi. Vous ne savez pas du tout qui c'est. Rapproche-toi par là. <rire> <rire> il, il, il fait froid, on veut faire de la chaleur humaine. Voilà. Pas... Vous n'avez pas, des... pas des plaids à nous prêter, les gens Ouais. <laughs> non, moi, ça, ça va en vrai. Moi, Je dis ça, mais c'est par solidarité parce que je... personnellement, j'ai mon chauffage qui fonctionne. Et... Chanceux. <laughs> ouais. bah, oui, j'avoue, force à toi. C'est pas très marrant. Voilà, j'ai mis le chauffage d'appoint, mais bon, parce que ça va nous coûter en électricité, il ne nous sera pas remboursé en eau chaude. Non, c'est sûr. Et, et encore, du coup, euh, c'est ouais, une chance d'avoir le, le radiateur d'appoint. Euh, sur avait pas eu, on, en aurait, on aurait été en chercher hier. Ouais, tu m'étonnes. Faut se tu tasser. Oui, mais oh, je suis toute oh, seule dans mon bureau. Je vais me tasser avec oh. qui En vrai, ah, ouais, je pense qu'un radiateur d'appoint, ça, ça doit être un, un truc que tout le monde devrait avoir chez soi au cas où. En fait, Même si ça sert à rien. Parce qu'en fait, euh, au nombre de watts que ça utilise, bah, je peux te dire que tu fais vite monter ta. Ta facture de quoi Ta facture, hein. En vrai, s'en servir pendant une journée, je pense que ça doit me coûter 7 euros, 7 euros en plus. Tu crois Si je m'en sers toute la journée, ouais. Ouais, la vache. 7 euros pour une journée, c'est énorme. Parce qu'au bout du compte, j'ai eu un dépassement au niveau de. En gros, j'ai regardé l'année dernière quand je m'en suis servi. J'ai eu un dépassement d'à peu près ça mmh. par jour. Ah bah c'est peut-être ça, effectivement. Alors oui, il a peut-être pas que ça, mais bon, ça doit être à peu près, quoi. Hmm. En tout cas, les gens, faites attention à vous en ce moment. Il, il fait froid. Il y a la grippe. <laughs> Elle promène la colère. Et, et sans blaguer, je me demande s'ils ne rannoncent pas de la neige. Nous, euh, on n'en aura pas. Euh, ça, je ne sais pas, mais je, je, je crois qu'ils en réannoncent. Euh, Peut-être pas partout. Ouais. Mais nous, on en aura, mais en fait, comme on est juste à côté de l'eau et qu'il y a du sel dans l'air. De toute façon, ça ne tient pas. D'accord. Écoute, nous... nous verrons cela. Ça ne tient qu'à partir de... de quand on rentre sur les terres, les terres mais on va sur, euh, sur le Havre, sur le bord de mer. C'est euh... pas la peine. Et ouais, faites attention à vous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous partager les trois mots de la semaine. Oui, tout on tout serait ravi de les lire. On est là aussi pour ça. Et du coup, on va commencer par écouter les trois mots de Hudson. Bah écoutez, oui, euh, allons-y. Les gens, ils aiment bien me demander ça le dimanche. Je sais pas pourquoi c'est le mec qui a toujours pas compris. Euh... Il est temps, hein. Il est temps, là, il faut atterrir. Oui. Et bah, cette semaine, bah écoutez, rentrer, c'était la reprise après les... après les vacances de Noël. Donc c'est. C'était un peu compliqué pour une raison qui va tout te tenir à mon deuxième mot qui est euh, l'hiver. Parce que il bah, y a de la neige, du verglas euh, mardi, mercredi. Euh, les transports scolaires, ils passaient pas. T'avais pas beaucoup de gamins. T'arrivais, tu sais pas ce qu'il Tu savais pas si t'allais avoir ta classe, pas ta classe. Euh, moi, j'aime pas du tout ça. Hein. Et euh, j'avoue que quand je vois des gens à cette période de l'année dire Ah, trop bien de la neige Moi, je suis plutôt en mode <laughs> Ouais, trop bien, ouais. ouais. Mais bon, voilà, après. Euh... On comprend la neige, c'est cool, c'est beau et tout, mais euh, bah, quand, quand tu te lèves le matin et que tu sais pas si tu as du verglas sur la route, euh, je t'avouerais que euh, c'est mieux quand il n'y a pas ça quand même. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça a marqué ma semaine, du coup, parce que c'était chiant. On était un peu sur le qui-vive tous les jours pour savoir le, le temps qu'il allait faire, si, si ça allait être glissant sur la route. Euh, et puis, en troisième mot. Hum, troisième mot, je vais dire. Euh... Hum... <laughs> je vais dire euh, binge parce qu'avec ma avec ma chérie, euh, on, on, régulièrement le soir, on a on a bingé. Moi ma, ma, ma chérie, je vais faire regarder des séries. Je l'ai converti à trois séries d'affilée. Euh, je l'ai fait regarder à Stranger Things. Sur Netflix, qui est quand même très cool. Elle a, elle a, elle a adoré. on attend la dernière saison avec impatience. Je lui ai fait regarder The Boys sur Amazon Prime. Elle trouve ça un peu gore et un peu violent, mais elle aime bien. <laughs> J'ai regardé les 20 premières et... minutes. <laughs> c'est horrible. <laughs> et je lui ai fait regarder aussi euh, la série animée Invincible, euh, qui est extraordinaire aussi. C'est pareil, c'est un peu violent, mais elle aime bien. Voilà. Du coup, euh, c'est un 3 sur 3. Et là on... hier soir on a commencé à se mettre. Moi j'avais toujours pas regardé et elle elle a pas fini. avait pas fini. On, on s'est mis sur euh, les anneaux de pouvoir. On va voir ce que ça donne. Le premier épisode est cool. Ça va, ça passe bien. À voir la suite. Voilà voilà. <laughs> euh... Ah ouais. Voilà pour euh, voilà pour mes trois mots. Il et... y a, a des... des mots. <coughs> oui, cool. oui, oui Juste les anneaux de pouvoir. Heureusement oui. que j'en suis pas là. Hein. Ça veut Dire que j'ai encore regardé deux films terribles <laughs> et que d'une alors... façon ou d'une autre, vous avez réussi à me convaincre à regarder ces deux films. Puis <laughs> la série, alors on a les mots, euh, les trois mots de Let's Be, pardon, je t'ai coupé. Non, je t prie. On a angoisse parce qu'Abby a fait un petit tour à l'hôpital. Qu ce que euh... j'avais envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé, mais peut-être c'est euh, un peu privé, tu vois. Euh... J'espère que ça s'est arrangé et que ça va. C'est pas trop grave, si tu veux nous en parler, t'hésites pas. Hein. Euh, fatigue du coup, parce que j'ai pas beaucoup d'eau cette semaine. Ouais, tu m'étonnes. Et froid, parce qu'il fait froid en ce moment, surtout quand il y a du vent. Oh putain, oui. Ah oui, oui. On a aussi les trois mots de Dorian, froid. J'ai l'impression que tout le monde met froid dans ces trois mots, c'est très drôle. Euh, parce qu'il fait froid à l'aide. Résolution, je commence à appliquer ma résolution de ne pas faire beaucoup d'activités en 2024. C'est-à-dire... Et sport, car j'adore regarder du sport. Ah, ok. Mais moi, je pas été. Oui, vous verrez avec mes trois mots. <laughs> du coup, ça explique pourquoi je n'ai pas été euh, sur Discord. Mais euh, ça marche, je regarderai. Mais j'espère que. J'espère que ça ira. C'est le mot Joker, fatigue. Waouh. Oui, c'est le mot Joker à la place de fatigue, froid, peut-être. On a les trois mots de Lily Suzy qui nous dit radiateur, celui de ma chambre fait du bruit. Ah, waouh. <laughs> dentiste, parce que j'en trouve pas. J'ai un super dentiste, si tu veux, mais il est peut-être un peu loin, quoi. Vidéo. Montage de vidéos Star du Valais. Oui, on a Lily qui a lancé son activité de youtubeuse. Moi, j'ai regardé tes vidéos, c'était sympa. J'aime bien le fait que t'aies changé l'histoire principale pour en faire quelque chose de plus original. Et euh, j'ai hâte de la suite. Je sais pas si t'as sorti la deuxième, parce que bah, je vous verrai, vous verrai avec mes trois mots que l'ordinateur, toute la semaine, ça n'a pas été ça, quoi. N'hésitez <laughs> pas <laughs> à vous abonner à la chaîne, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Lily Suzy, notre MVP quand même, en hein. soutien et, euh, et d'aller voir ça. En gros, j'ai fait beaucoup d'activités et de sorties euh, en 2023, et le problème, c'est que je pas eu le temps de me concentrer sur moi. Euh, D'accord. Parce que les sorties que tu faisais, tu les faisais pas pour toi Ah oui, en effet, il faut arrêter. Hein. C'est-à-dire que moi, vous ne me mettez pas dehors si c'est pas pour ma gueule. Hein. <laughs> Surtout avec ce froid. Non, c'est pas vrai, parce qu'il ne faut pas déconner, mais... Ouais. Eh c'est sûr que si des sorti tout 2023, euh... si, si, mais j'en ai fait beaucoup. Oui, mais du coup, si c'était pour prendre soin de toi, en effet, il vaut mieux peut-être en faire moins. Mais ok, si c'est ta résolution, as raison. De toute façon, il faut euh, prendre des résolutions qui soient en, en... 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 adéquation avec ses propres euh, besoins, ses propres valeurs et ses propres envies. Hein. Mais ça marche. <laughs> Excusez-moi, je vous tousse dans les oreilles. Vous allez en avoir tout du long. Y a personne d'autre qui veut mettre ses mots, mots de la semaine là on... Non, on, a, on, a, on a lu tout, on a tout lu, en plus, je crois. Oh, c'est trop calme, là, hein. qu'est-ce qui se passe Non, bah, <laughs> les, les, les gens, ils donnent ils ont donné leur mots, quand même, globalement, mais c'est vrai que c'est... Je, je, je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir les doigts congelés, qui ne peuvent pas écrire. <rire> 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 aïe, aïe, du, aïe, coup, aïe. du coup, tu vas être obligé de nous donner les tiens, à un moment donné. Hein. Oh, ouais, bah, moi, je peux, hein Ah, on a ces deux, de... je vous les donnerai après. On a reprise et eh oui, il faut bien bosser pour prendre l'argent des entrepreneurs. Espèce <laughs> d'ursafien, va. <laughs> On a neige, il a enfin neigé ici et bonne année, car oui, car je voulais pas souhaiter. Hein. Mais si. Boj il a envoyé un message, moi il m'a envoyé un message de bonne année, il a envoyé un message à Pascal qui du coup l'a retransmis aux autres. Tout va bien. Hein. Mais il, il a peut-être pas dit sur le chat, c'est ça qu'il veut dire peut-être. Il n'a peut-être pas encore dit sur Twitch, il a peut-être dit que sur Discord. <laughs> C'est peut-être ça? Ah putain, euh... suspicion d'appendicite! Ah oui, quand même! J'ai fait de nombreuses crises d'appendicite quand j'étais plus jeune. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas ça. <laughs> Sauf qu'à chaque fois, j'étais pliée en deux, comme quand t'as l'appendicite finalement. Et euh, du coup, euh, je finissais par aller à l'hôpital et c'était pas ça, c'était autre chose. Du coup, t'as jamais été opéré de l'appendice Non, ils auraient dû l'enlever, mais ils l'ont pas fait, c'est con. Genre vraiment, hein, ma première crise d'appendicite, j'avais 8 ans, et j'en ai fait quasiment 3 par an, jusqu'à mes 14. Ouais. Donc à un moment donné, ils auraient pu me l'enlever, au moins on se serait pas fait chier. Apparemment, ça s'inflammait un petit peu, mais pas suffisamment pour être enlevé. D'accord. Oh, c'est relou, ça. Ça va, l'appendicite, c'est une opération d'une heure et demie. Euh... Ça m'évite... En fait... Il m'aurait opéré euh, les dans les premières fois, je ne me serais pas cassé le cul, tu vois. Oui, oui, j'ai Alors que bien. le pire, je crois, pour la. Alors, une fois, j'avais une suspicion d'appendicite. La dernière que j'ai eue, je suis restée. Alors, on est allé aux urgences. Je suis restée 12 heures dans le... les urgences, dans la salle d'attente des urgences. Mmh. Donc, ce n'est même pas je suis rentrée. Et en fait, finalement, euh, j'étais pliée en deux, comme euh, quand tu as une crise d'appendicite, finalement. Et. Euh... et euh... Mais pas opérable. Il y a plein de gens qui enlèvent l'impanicide quand ils, ils t'enlèvent autre chose. Plein de médecins, dès qu'ils touchent à... un peu à ce qui est autour, ils enlèvent. Et là, ils ne veulent pas le faire, tu vois, c'est complètement débile. Oui, ils auraient pu le faire, oui. Et quitte, quitte à avoir ouvert à cet endroit-là, ils auraient pu en profiter et puis faire chlic. Ouais. Clairement. Mais euh, je vois ce que tu veux dire. Bah, ouais. C'est ridicule. Mais bon, bah, écoute, euh, euh, c'est... J'espère que ça va, du coup, s'améliorer. Euh, trois mots de vigor, Je vais bien. et mmh. bah, tant mieux. <laughs> Pourquoi tu l'agresses <laughs> la, la, <laughs> et ben, bah, tant mieux <laughs> On a les trois mots de Gonef, amour, se chauffer sous la couette et travail. Oh. Bah, du coup, il y a vraiment du froid partout. Il y a vraiment ouais, bah, du oui. froid partout. Croyez-le ou non, c'est l'hiver. Euh, oui, étonnamment. L'hiver arrive. On est en janvier, mais l'hiver n'arrive que maintenant. Non, bah, on est en plein dedans. Bah, tu sais, l'hiver, oh. ça, ça commence plutôt fin décembre, globalement. Euh... Bon, moi quand oui, j'étais jeune j'avais des Noël blancs et je peux te dire qu'ils étaient blancs depuis un mois ça dépend moi je t'avoue que j'ai eu de gros souvenirs de Noël blanc mais faut dire que la plupart du temps le Noël j'allais chez les grands-parents qui habitaient dans l'est de la France où euh, on va pas se mentir le... il y avait plus de neige qu'en Normandie oui ben moi j'habitais dans l'Aveyron grosse zone de neige pareil pareil oui <laughs> je me rappelle je faisais genre même pas un mètre et la neige est montée au-dessus <laughs> <laughs> C'est drôle. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, euh, je vais vous balancer mes trois mots de façon... Euh... Non, en vrai, j'ai triché. Pour mes trois mots de la semaine, j'y ai réfléchi avant et j'ai triché parce que j'ai tellement de choses à vous dire que euh, j'ai choisi un mot pour décrire plusieurs choses. Et du coup, voilà. j'ai pris le mot température. Température parce qu'il fait très froid dehors. Température parce qu'il fait très froid dedans, hein parce que j'ai pas de chauffage euh, depuis vendredi après-midi, hein ou peut-être même matin, mais je me suis pas rendu compte. Euh, température parce que j'ai de la température, parce que je suis malade, et ça explique le pourquoi je n'ai rien vu sur Discord. C'est-à-dire que ça fait euh, 4 jours euh, que je me tape de la fièvre. Là, euh, je me suis bourré de anti-inflammatoires, antibiotiques et de pour être ici présente. Et j'ai quand même envie de retourner me coucher et de vous lâcher comme des grosses merdes. <laughs> Donc, température, c'est mon mot de joker en mode euh, c'est un bordel. En deuxième mot, je vais vous mettre rendez-vous parce que ça a été la semaine compliquée où j'étais malade et ça a été la semaine des rendez-vous. Euh, j'ai fait deux heures de conduite le mercredi dernier. Euh, ça fait partie des rendez-vous, c'est-à-dire que j'ai fait une heure de conduite. Euh, à 10h, mercredi. J'étais malade. J'étais pas bien. Mais j'ai quand même pris mon heure de conduite et ça s'est bien passé. J'en ai eu une l'après-midi à 16h. Avant ça, j'avais rendez-vous avec ma cousine qui est venue récupérer sa voiture et qui est rentrée du sud et de ses vacances. Euh, autant vous dire qu'on s'est croisés et ça m'a saoulé. <laughs> ça m'a saoulé de juste la croiser. Mais je suis une bouffonne. J'ai pris mon heure de conduite pile à la mauvaise heure. En fait, j'avais pas. J'avais loupé un truc. Et. Euh... Mais ça s'est bien passé je appris un demi-tour à de son auto-école <laughs> ah oui euh, c'est sympa j'ai failli rentrer dans un mur et mon moniteur de école est très drôle à chaque fois j'ai dis oui mais j'avais peur de louper ça il me dit oui oui moi aussi mais en fait à chaque fois il rigole derrière il est très bref je suis, je suis pas du tout stressée mais par contre fatigué et malade en conduite c'est pas l'idée du siècle en plus j'ai pas pris de médicaments au cas où <laughs> Pour bien, pour bien faire le truc. Ouais. Ah bah oui quand même. Ce serait euh, trop con cool de prendre maintenant euh, un médicament euh, niveau 3. <laughs> Donc voilà, rendez-vous. J'avais rendez-vous aussi euh, pour des projets perso. J'avais aussi rendez-vous pour mon mariage avec le traiteur. Traiteur qui a envoyé un devis mais qui a rien compris. Il faut que je, le, je lui envoie un message parce qu'on lui a demandé de retirer des trucs et il a pas tout retiré. Donc euh, c'est sympa. <laughs> Bref, j'avais plein de rendez-vous. T'as pas compris pourquoi il y avait tous ces kebabs sur le devis hein <laughs> Putain, je <te> de... <laughs> Non. Mais en fait, on a eu rendez-vous avec le traiteur. Il a rajouté euh, ce qu'il avait rajouté, parce que du coup, on avait eu un premier devis. On lui avait dit de retirer une prestation. En gros, il y a, je sais pas si vous savez, mais genre, bah, des fois les mariages, il y a des ateliers de bouffe. Genre, à euh, l'atelier où il y a un pro qui vient faire... Euh, couper du saumon ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Et du coup... Et nous, il nous en avait mis un euh, spécial euh, jambon serrano, je crois. Euh, tu sais, les jambons crus, là. Mmh. Parce que déjà, nous, on n'en mange pas. Et en plus, euh, ça ne nous intéresse pas du tout de jouer avec la bouffe ou de regarder des gens bouffer. Moi, je n'ai pas du tout envie de ça pour mon mariage, quoi. Déjà, on fait exprès de mettre un, un vin d'honneur qui dure plus longtemps pour, 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 pour dégager l'entrée. Le, parce qu'à un moment donné... Euh, pff, ça va, euh, trois heures de repas, euh, je me les tape à Noël, ça me suffit quoi. Et, euh... <laughs> Et moi, à un à moment donné, au bout. Tu longtemps à table, hein, globalement. Hein. Oui, ben, globalement, euh, nous, on est ceux qui mangeons le moins, euh, puisqu'on va pas avoir le temps, on va passer pour, pour euh, vous regarder. Et heureusement que je vais faire ça parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais moi, euh, je pense que déjà avec le vin d'honneur, la moitié du vin d'honneur, cinq petits fours, je pense que j'ai déjà fini de manger, donc euh, je vais ouais, vous regarder ouais, ouais, ouais. bouffer. Ce qui fait que moi, j'ai pas envie en plus de ça rajouter. En plus, c'est cher, hein, genre 500 balles une prestation, c'est bien mignon, mais à un moment donné, quand tu as déjà 1700 euros sur le place, 1500 euros sur le, la table, et eh ben tu les retires tes 500 balles. Hein. Oui, je... pas, pas 1500, avez... 7500. Attends, tu veux dire que vous avez pas mis vous avez pas fait venir le mec là pour qu'il mette du sel comme ça, là, tu sais, euh, euh... sel en or, tu sais. Euh... Si, si si si, on l'a fait venir, on l'a fait venir, mais c'est à votre charge, vous vous démerdez. Ouais, <laughs> euh... ah, je suis déçu, là. Euh, merde <laughs> Non mais. Genre, je sais qu'un repas, c'est super important pour le mariage, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, ça va, quoi. Je pense qu'avec 10 petits fous par personne, plus le plat, le fromage et le wedding cake, ça va, vous n'allez pas mourir de faim, quoi. Non, non, mais on a rien dit, va bien. À un moment donné, voilà, je pense. Donc rendez-vous. Tu dis au traiteur, hein, tu prends les commandes. Moi, ce sera salade tomate oignon. Oui, le mec refait sa blague. Oui, oui tout à fait. Qu'est-ce oui, <laughs> Qu que tu veux dans ton kebab C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dans vos kebabs, les gens qui Mais il y a font... des gens, ils, ils font faut des venir différents. des food trucks hein, pour leur mariage. T'es là, on ne faut pas pousser quand même. On est un peu plus de classe. Du coup, nous Exactement. on a un service en salle. Avec des et je ne sais pas, en... pas <laughs> envoyer un MP à Pascal pour dire euh, ce que vous voulez sur votre kebab. Non, c'est faux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, oui. Pascal, Pascal n'a pas que ça à faire. Merci. Pascal va vous répondre à cœur violet. et Elle va vous dire, mmh. voilà, c'est tout. <laughs> bah. Ne le faites pas. Mais euh, voilà. Donc rendez-vous. J'avais plein de trucs. J'avais plein de rendez-vous. J'avais trop. C'était trop. C'était trop. Euh... Et mon dernier mot, j'ai oublié entre temps. Attends, mais. Ah bah du coup mon dernier mot ça euh, allait avec euh, le reste genre mariage j'ai beaucoup de, de trucs en retard pour le mariage bientôt les lives euh, bougies on va en faire euh, il faut en faire 100 donc on va jamais s'arrêter euh... <laughs> j'ai du retard sur mon mariage j'ai toujours pas envoyé les faire part hein pour moi, c'est normal d'avoir du retard sur la préparation de mariage. Non, mais les, les, les faire part en général, tu ne fais pas de, retard. pas de retard. Ouais, je sais pas. J'ai rarement entendu dire des gens dire, tiens, on est, on, est, on est six mois avant, t'inquiète, tout est prêt. J'ai jamais entendu ça. <laughs> pas... J'ai même pas encore fait les démarches auprès de la mairie. Oui, mais ça ne me choque pas. Hein. Euh, non, et c'est pareil. Voilà, le problème de mariage partout. Partout, partout. Genre là, là... par exemple, vous voyez, il y a un truc... Bon, c'est que t'achètes une robe ou un costume il faut faire des retouches moi ils ont reçu ma robe et ils ont dit mais on a le temps encore pour vous prévenir on vous, a, on vous prévient euh, en, en avril pour euh, faire les retouches elle, elle me dit on a le temps je dis oui on a le temps mais moi il me faut la, la date de, de rendez-vous de moi à l'avance parce que je dois faire venir quelqu'un tu vois donc à un moment donné bah ça se fait pas en deux secondes elle me dit ah bon on peut pas vous prévenir et puis vous venez la semaine d'après je dis ah bah non c'est à dire qu'à un moment donné euh, as cru que t'étais la seule sur mon emploi du temps Salut Jimmy. Salut Jimmy. Bref, j'ai toujours envie de les faire part. Du coup, si personne n'a été invité, c'est normal. <laughs> mais non, mais ça, normalement, tu n'es pas en retard sur les faire part. Là, en vrai, j'ai mis une date de limite de, 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 de confirmation le 15 mars. Donc là, normalement, le 15 oh. janvier, ça reste, il laisse trois mois. Alors, euh, en réalité, les gens, ils disent de laisser moins de ça parce que de toute façon, les gens oublient. Moi sur internet j'ai lu, on m'a dit euh, ouais ouais tu leur donnes euh, une limite euh, à un mois, pas plus. Mais moi j'ai mis trois mois à un moment donné. Euh... C'est pas la limite de mmh. consommation mais de confirmation, beuge. Et je sais ce que j'ai dit quand même. Hein <laughs> non mais voilà, bref euh, des rendez-vous, euh, des problèmes avec le mariage et. Euh... Et, euh... voilà. Et le tout... <laughs> en ayant froid. Le tout avec de la température. <laughs> ah. Et visto, ouais, il a ouais, fait ouais. toute sa liste de choses à faire, donne-lui des tâches supplémentaires. Mais il n'a pas de tâches déjà de base, alors il y a des tâches supplémentaires. À un moment donné, tu sais, 0 fois 3, ça fait toujours 0. <laughs> Apprenez les maths avec Luna, c'est vrai que... <laughs> Donc voilà. a personne d'autre qui veut donner ses trois mots de la semaine Ah, vous êtes nuls. Ah, On en a eu pas mal quand même On en a eu cinq On en a eu. Ouais, je vais pas compter. Flemme, flemme. Non, moi non plus, je sais pas compter. J'ai commencé à monter le chat, tu sais, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire On en a cinq ou six, quoi. Et Hello, Et Hello, Jelly. Mauvaise organisation ni. ce ni, 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 ni. que tu parles Tu sais parce que Monsieur travaille dans la construction. Ah a... Il a probablement déjà fait des trucs de mariage, j'imagine. Mon dernier mot, enfin, c'était pas mariage à la base. Je viens de me rappeler, c'était euh, langue étrangère parce que du coup, je me suis inscrite ah. à Rosetta Stone pour pouvoir euh, euh, recommencer mon apprentissage du coréen parce que, enfin, recommencer, continuer. Parce que j'en ai marre euh... de faire les choses à moitié et du coup c'était mon truc pour l'année, c'était ma espèce de résolution. C'est cool. Ouais. C'est cool. C'est le genre de truc que, dans une vie avec beaucoup de choses à faire. C'est les premiers trucs qu'on lâche normalement ce genre de choses. Donc c'est bien de c'est bien de, 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 de pouvoir euh... Trouver la motivation de s'y mettre, si c'est important pour toi, c'est bien de, de pas lâcher, c'est cool. Bah en fait, je Et lâche peux... pas, mais j'y suis pas assez régulièrement. <laughs> non, mais tu peux, tu peux, tu peux lâcher de temps en temps. Enfin, tu peux des fois dire là, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps, mais, mais quand même pas lâcher l'affaire. Je trouve ça admirable parce que tu as beaucoup de gens, euh, ils ont des projets comme ça, puis finalement ils laissent tomber, genre oh, c'est mort, c'est oh, cool. Mais oui, mais tu sais, c'est depuis le confinement. Pendant le confinement, j'ai commencé. Oh. Et puis depuis, euh, c'est pas que je lâche, c'est qu'il y a des phases, des moments où j'arrête de le travailler, puis j'y retourne, et puis je me dis putain, mais si j'étais régulière. Non, non, faut pas lâcher, faut faire au moins plus... faut, faut faire plusieurs heures par semaine. C'est euh, c'est bien le Rosetta Stone. Bah moi j'aime bien. Euh, L'avantage c'est que c'est pas trop cher en ce moment. Ils ont une offre où c'est 140 euros à vie et t'as accès aux 25 langues qu'ils proposent. Ça, ça semble raisonnable pour, pour ce que tu peux avoir, oui. Ouais, et moi je trouve que c'est bien, ça permet de faire du de la compréhension de l'oral, il y a plein de trucs. Puis après euh, moi j'avais déjà plein de... de bouquins et de manuels, donc en fait c'est un complément et puis ça permet d'être de d'avoir la régularité, et de savoir où j'en suis quoi. Très cool. Voilà. très, très cool. Bientôt bientôt tu nous feras un... tu nous feras un speech en coréen euh... en live peut-être Ouais, peut-être. Moi je sais, je sais, je crois, je crois, je dois le prononcer très mal, je crois que je sais dire un truc en coréen. C'est quoi Bonjour, c'est pas Anyang euh, C'est plus salut Anyang. C'est Anyang D'accord. Bonjour. Mais en vrai, il y a plein de façons de dire, de dire bonjour en coréen parce que tu dis pas la même chose selon si c'est le matin, si c'est l'après-midi, selon si tu le dis à quelqu'un de plus âgé que toi, quelqu'un de ton âge ou à quelqu'un plus jeune. Bah ouais, je vois, ouais, ouais genre, euh, genre, c'est comme nous, on dit bonjour. Comment ça on dit pas bonjour? Ah non, c'est on dit pas bonjour. Mais c'est des mots-valises, <laughs> bonjour. Oui, <laughs> je sais. Mais après tout la langue, elle évolue comme ah, ça, tu sais pas. De toute façon, bonjour, dans le dictionnaire, bonjour, t'en sais rien. Mais oui, euh, bonjour. Je... mais c'est pareil, euh... c'est euh, talk to euh, talk. Attends. Ils font à partir de l'anglais, oui. Bah... Ouais, il y a, y, a, y a plein de trucs comme ça. Malheureusement, ça passe beaucoup. Ça, ça passe beaucoup, euh... Parce que ça passe beaucoup par ça. Un, un site anglophone, tout simplement. Ouais, ouais, il ouais, y a plein de trucs. Mais après, il y a plein d'autres façons. Enfin, il y, y a des façons d'apprendre euh, gratuitement sur Internet. Maintenant, il euh, faut faire attention à où est-ce qu'on apprend, parce que si on apprend mal, on a l'air con à la fin. Mais il y a plein d'applications mobiles. Hein. Moi, j'en ai acheté juste pour euh, travailler régulièrement mon... mes... Mes, voyelles. mes voyelles, mes consonnes, mon, vocab... enfin, mon... mon alphabet, déjà. Et là, moi, je suis en train de me dire, putain, mon métier, ça se trouve, un jour, on va se faire, déf... faire sur-supplanter par ça. Non non, je... non c'est pas pareil. Parce que les, les, les élèves, ils n'ont pas les moyens de mettre 150 balles dans un Duolingo. Non mais bien sûr, non, bien sûr. T'as as des, des cours pour apprendre gratuit quand t'es gamin. J'ai toujours tendance à dire aux élèves, profitez-en. Ouais, même, même quand j'ai un relou qui des fois dit euh, Mais monsieur, ça sert à rien d'apprendre l'anglais. Euh, bah ah, tu sais ouais. pas, tu sais, tu, Déjà, d'une, tu ne te rends pas compte. Et de deux, tu sais pas de quoi tu auras besoin plus tard. Euh... Ouais, alors autant tu vois, euh, pour la plupart des métiers, euh, euh, les équations au second degré, tu n'en auras pas besoin. Autant euh, l'anglais, dans tous les métiers, tu peux en avoir besoin. À partir du moment où en tu fait... peux te retrouver à parler avec quelqu'un, tu peux en avoir besoin. Je suis d'accord avec toi sur les équations au second degré, mais après j'ai envie de dire quand tu es jeune et que tu es en cours. Te ferme, te fer, ferme toi le moins de portes possible. Tant ah non, que mais oui. Je veux dire, c'est ça. C est... C est... Enfin bref. Donc, non, non, je suis d'accord. De... C'est pas le sujet, mais ouais. Non, mais je suis, je suis d'accord. Faut pas se fermer. C'est pas ce que je voulais dire, mais ah, sur le, le sur le principe. Bon, tu peux je difficilement sais. leur dire que que ils en auront besoin. C'est sûr et certain avec euh, l'extrême certitude tu vois. Bien sûr. Je, je disais juste cette précision pour les, les, les centaines et les milliers d'enfants de, qui nous regardent. Mais de toute façon, les gamins, on ne vous demande pas votre avis. Hein. Vous êtes là pour apprendre, vous apprenez, et puis c'est tout. Oui. <rire> <rire> ok. Pas d'autres mots de la semaine. LGG vendu. Youpi Bah, oh. Ouais <laughs> On se je... dans un épisode de Dora l'Exploratrice. <laughs> ah <dans 200 rire> oh non On va faire. <laughs> Non, on va pas faire du Doral Exploratrice. Vous <laughs> voulez chercher la banane Elle est où la banane Oh waouh <laughs> Hudson <rire> Non J'ai mal choisi, mal euh... choisi Ah exemple. oui <laughs> Au moment où je l'ai dit le Oh bah non, Hudson, là, non, ça va pas être possible, Hudson On est sur Twitch quand même, on va se calmer un peu <rire> <rire> Oh putain On est les meilleurs. Bien sûr. Ça n'a jamais été mis en doute. Moins ouais. 1 au carré égale moins 20. <laughs> du coup, on va passer sur les clips, clips clips de la semaine. Absolument. Oui. Alors on a deux clips cette semaine. Je sais pas si le son est assez fort. Ouais, il faut n'hésite pas à bourrer. Ouais, il le sera passé, il va falloir que je le monte. Mais je pense que quand il va tirer, je vais m'en prendre plein les oreilles. Attention, c'est parti. Ils bougent pas, ils bougent pas. Hein. Ah Putain, Gwenael, tu fais chier. <laughs> tu me fais peur. Il ah, y a son. Ah <laughs> c'est tellement. <rire> Pardon. <rire> Mais euh, il, a des, il a des réactions, c'est quand même dans la retenue et dans le calme, c'est ça qui fait. Euh, mais crois. oui, mais c'est tellement incroyable. C'est. Tu le sens que ça, il se... ça vient du fond du cœur. Mais c'est trop drôle parce que Feu, il, 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 il se prend un jumpscare. C'est pas la première fois qu'on voit ça, même ouais. dans un clip. Il se prend un jumpscare, il te dit Putain, j'ai eu trop peur, mais ça se voit pas sur lui en fait. C'est genre, tu vois, il a pas une réaction euh, incroyable. Il fait... Ah, être pas Passage, j'ai eu trop peur. c'est ça qui me fait trop rire. C'est le mec, il, il, il se prend un jumpscare il a, il, a, il, a, il a peur, mais il est quand même dans le calme. Et ça, c'est trop bien, ça c'est trop marrant. Ah bah euh... Oui. Et puis... Euh... Attendez. Mon cerveau. Je vais faire très attention à de bonnet des bonnets des écharpes dans ces temps troublés. Il y en a même quatre, maintenant. Euh... Oh, waouh. <laughs> Pardon. J'ai un peu... OK, on va mettre euh, le deuxième clip qui est euh, de qui est fait par Let's Be sur la chaîne de Cine. C'est quoi, aujourd'hui, un stream cam Mais oui, bien sûr. Ça va, par rapport d'habitude, c'est carré. <laughs> je... <laughs> je... <laughs> OK, d'accord, je... je... Un peu l'impression de mettre Fedjix là, enfin de mettre seule. C'est quoi aujourd'hui un stream cam Mais oui. Et c'était pile le bon moment. Pardon, j'ai prévenu un peu, un peu à l'arrache, non, que je le mettais en route. Hudson Oui, c'est moi. Je suis présent. C'était très drôle. Je trouve que le timing, souvent, dans les, les moments clippables, c'est souvent le timing qui fait que c'est clippable, en fait. Ça va être un moment calme, et là... Mmh, moi, je ne veux pas lui, faire ce cri. Mais c <laughs> non, évite, surtout avec toi, si as mal à la gorge, ce n'est pas une bonne idée. Mais, <laughs> mais euh, effectivement, c'est souvent le décalage entre une ambiance calme qui est installée... Et un... mais, mais en fait, c'est ça, ça qui marche bien. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de streamers et de streameuses qui mettent des... Des, des, des bruits chelous comme ça sur leur stream, c'est parce que justement l'effet il est, il est comique dans le sens où tu vas avoir un décalage entre un moment de chill et puis euh, les gens qui font proc le truc. Euh, Personnellement, je trouve que oui, ça fonctionne bien. Là, là clairement, ça a fonctionné. <laughs> oui, clairement. On va mettre le troisième c'est un clip sur la paix fait par Bouge pendant le Ciné Monday.

Pour l'équipe de la semaine, on met un clip qui a été fait pendant qu'on était en train de faire l'équipe de la bah, semaine. Il ne va, va, va pas être jouable, mais ouais. on va le regarder parce que c'est très drôle. C'est-à-dire qu'on va regarder un truc qui s'est passé il y a moins d'une heure. Est-ce qu'on s'en souvient Je ne suis pas sûre. Oh, <laughs> voyons ça, c'est une première. Vous voulez chercher la banane Elle est où la banane ah, Oh waouh wow. Hudson <laughs> Non. J'ai mal choisi. Euh... Mal choisi ah écran. oui <laughs> Alors, On s'en souvenait oh, <laughs> On s'en souvenait, mais c'était déjà passé à autre chose dans mon cerveau. <laughs> Genre, je l'ai découvert comme si je redécouvrais un truc alors que c'est vraiment il y a moins de 10 minutes. <laughs> je... je sais pas quoi dire. Ah, oh, c'est très drôle. Je me rends compte que mon, mon... mon son, il est bien ou pas bah oui, il est bien. C'est quoi le problème okay. Okay. En tout cas, c'est rigolo. Vous voulez chercher la banane Elle est où la banane Oh waouh wow. ouais, pas bat. facile de... Il faudrait me le dire. Hein ouais, avant ah, de voir le ça. clip, je sais pas. Hein. C'est ça, c'est ça. Le... C'est pas facile de régler le son des autres euh, en brunch sur Discord. Ouais, moi, j'ai du mal aussi à... <laughs> à... à régler le son des autres euh, quand c'est moi qui host. Et euh, sach... sachez que. Mais ça, c'est un truc, je... je le répète, je suis désolé si vous trouvez ça relou, mais. Quand vous trouvez qu'il y a un le son qui est un peu trop bas ou un peu trop fort ou qu'il y en a un qu'on n'entend pas trop par rapport aux autres, ou... euh, dites-le. Dites-le, euh, on ne va pas vous en vouloir parce que vous le dites, en fait. Merci pour le... les votes. N'hésitez pas à voter oui. pour l'équipe de la semaine. Mais ouais, faut Merci pas hésiter à nous dire, on fait monter les sons. En oui, attendant <coughs> son... son <coughs> Oui. Cool. En attendant, Madame, nous <coughs> écoutons. En attendant, euh, les nouveautés de la semaine, est-ce que tu as des choses à nous dire euh... Étant donné que je n'ai pas envie de parler politique et du nouveau gouvernement, oh. non. non. Non, on, je parle de... je... on parle d'Internet. Je sais que ça va te faire cringer, c'est pour ça que j'ai dit ça. Euh... Non, non, je... là, il n'y a rien qui me vient. Je n'ai pas spécialement réfléchi à des news Internet. Est-ce que tu as des choses, toi, peut-être euh... Ouais, aujourd'hui c'est la journée internationale de la logique. Alors, euh, Paytalogi, quand tu sais qu'hier, c'était la journée internationale du sans-pantalon et de l'hypersensibilité. Voilà. Fallait que je fasse une blague. C'est trop drôle. Oh, bah oui, oui c'est intéressant de savoir les journées internationales. <laughs> non, euh, bah, moi, j'aime bien. Genre, je regarde tous les jours, ça me fait kiffer. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Thread, il, il a un petit peu pris pla la place, enfin, il a pris un peu plus de place sur Internet, mais il fonctionne pas tant que ça finalement. Ouais, sachez que. J on n'a rien écrit dessus, mais sachez que j'ai pris l'initiative, j'en ai, ai parlé aux autres, mais d'ouvrir oui. le, le compte stress de la paix. On s'est dit, on sait jamais, si à un moment on a envie de s'en servir, on a réservé, enfin, on a le compte qui est là, quoi. Et j'en ai ouvert un pour la même raison pour moi. Moi pas. Mais voilà, c'est. Je l'ai fait pour réserver le, le pseudo. Je sais pas trop. C'est. Ça a l'air d'être un Twitter, mais sur Meta. Euh... Peut-être pour l'instant moins de toxicité que sur Twitter. Je sais pas. Moi, mais... ouais, c'est même pas une question de toxicité. C'est juste qu'à partir du moment où si tu veux supprimer là, tu dois supprimer ton Insta et ton Facebook. Euh... Je ouais. dis que bah c'est pas ouf. Sur le papier. Certes, certes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur euh, l'internet des ordinateurs Il y a des promos en ce moment euh, sur les jeux vidéo, si jamais. Euh, sur euh, Steam, sur plein de choses puisque c'est les soldes. Ah yes euh, Je crois qu'il y a un... Well... Pardon. Je crois qu'il y a un... Un festival en ce moment sur Steam, là je ne dis pas des conneries. Oui, le festival style du capitalisme et de l'économie. C'est ce que tu nous disais. Il faut en parler, ça, c'est important. <laughs> J'ai failli l'envoyer à Idern. Festival du capitalisme et de l'économie. J'ai failli l'envoyer à Idan pour le. Du pour coup, le. le Par contre, vous devez du coup sûrement trouver beaucoup de jeux de gestion en solde, je pense. Ah, bien sûr. Je pense que c'est ça le concept. Je pas été voir, mais. Ouais, jeu de gestion sûrement. Ouais, il y a une nouvelle youtubeuse qui est arrivée sur l'Internet euh, cette semaine. C'est vrai. On en a parlé un peu tout à l'heure. Allez, euh, allez, follow la chaîne de, de Fusée. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas encore fait. Je vais y aller. Oh, moi, je suis sûre de l'avoir fait. Pour le coup. Nous, parlons de... Nous parlons de YouTube et non pas de Twitch. Hein, je le précise si jamais. Simulation, stratégie et casual. Ok. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de sympa Qu'est-ce qui s'est passé sur l'Internet cette semaine Moi, euh... je pas là cette semaine sur Internet, alors je n'ai pas tout vu. <laughs> je suis loin d'avoir tout vu. Euh... Merci, Bouge. Ouais. Moi, j'étais la quatrième abonnée. Je sais parce qu'il qu y avait marqué 3 quand je me suis abonnée. Oui, oui. Mais je GG. Voilà. Euh... Je suis allé m'abonner. Oh, mais si, il y a une autre nouveauté euh, cette semaine, slash euh, milieu de semaine. Oui, oh, je crois que c'est début de semaine là. Attendez. Dragon Demo, mots ouvert sa chaîne Twitch. Oh non, faut, faut pas en parler de ça. Si, <laughs> c'est. On a. De, de, Dragon d'Emeraude, alors non, non, mais tu sais pourquoi, tu sais pourquoi C'est très con. Euh, Dra Dragon d'Emeraude a ouvert un compte Twitch euh, au cas où, un jour, si on a envie de streamer sur. Parce qu'en en fait, on s'interdit rien avec l'assaut. On a commencé, on ne s'attendait pas à faire un jour une web série, tout ça. Donc en fait, on, en fait la réflexion est partie de. Peut-être un jour, on streamera quand même euh, pour le Dragon d'Emeraude, je euh, sais pas. Donc, j'ai dit, Va, vas-y, let's go, j'ouvre le compte. Comme ça, on a le pseudo, on a tout. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas en projet. On a, on a une saison 2 à tourner. Euh, on a des choses à faire. c'est pas du tout en projet immédiat, mais peut-être un jour. Donc, j'ai ouvert le compte. J'ai fait ça. Mais euh, désolé si vous pensiez qu'on allait lancer une chaîne Twitch tout de suite. Non, c'est a priori, on pas le time, en fait. <laughs> Ou bon, alors, il faut que Psycrane se dévoue pour streamer dessus. Mais faut il faut qu'il se bouge. Euh, voilà. Je, je, et voilà mais <laughs> c'est pas grave mais on a ouvert la, on a ouvert le compte euh, voilà <laughs> merci bah, n'hésitez pas à follow ça nous euh, ça nous fera des des follows voilà tout simplement <rire> <rire> voilà allez voilà, voilà voilà je suis la première Je n'ai rien à foutre même si c'est pas moi <laughs> ah oui par contre c'est vrai le Boj il a raison quand je, quand je suis débarqué sur le live de de la hausse sur la paix avec le compte dragon d'émeraude que je venais de que je venais de créer en fait et coucou Dragon d'Emeraude, comment ça va bien elle commence à m'expliquer le concept <laughs> de l'école de magie et tout et moi j'étais mort de rire parce que je me suis dit mais, mais là où tu connais Dragon d'Emeraude ?» pour faire le faire le rapprochement euh... puis il y a est premier degré puis... là haut alors forcément euh, pas besoin de chercher midi à quatorze hein. du coup c'est bien elle m'a expliqué le concept de l'école de magie du coup c'était cool euh, quel est le clip qu'a gagné hmm euh, bonne question, j'ai pas vu le, le truc se finir. Mais les modos vont nous dire ça. C'est Flo Flo, Flo. Flo. Euh, bien bon, bien On va bien. regarder le clip de Flo Flo. À nouveau. C'est parti. Leur drone a été ils y sont encore et je vois pas où ils sont. Ils bougent pas, ils bougent pas. Hein. Ah Putain, Gwenaëlle, tu fais chier. Tu me fais peur. Ils sont encore. Mais... C'est pas grave. <laughs> 5 ou 10 minutes. C'est pas grave, on n'avait plus rien à dire, ça tombe bien. <laughs> faut pas vous en faire. Faut pas vous en faire. Non. Euh... Bon, bah en tout cas, donc c'est une victoire de ce clip qui a été fait partie déjà. Euh, Gwen Elf. Eh bien, Gwen qui reprend le... Le... le poste de. le rôle d'après le... Paradis, ah. je vais y arriver. Je vais aller m'en occuper. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le comme nouveau Prince of Persia qui est sorti. Ah oui, peut-être, Prince of Persia. putain, qu'est-ce que j'ai comme souvenir sur les, les, les vieilles versions à l'époque? J'ai jamais réussi à le terminer. C'est trop dur pour moi. <laughs> ah bah ben, c'est pas facile, on hein, s'en déconne, ouais, Prince of Persia, c'est chaud. Ah Bosch qui ouvre sa liste de souhaits, il a tout compris. Il sait que je vais parler jeu vidéo. En effet, on va parler jeux vidéo comme à chaque fois qu'on se retrouve. Alors, sachez plusieurs choses. La première, heureusement que mon live était préparé à l'avance parce que cette semaine, j'étais malade. La seconde, quand j'ai ouvert mes notes ce matin, elles étaient vides. Je les ai refaites d'entre 7h et 9h30. Allez. C'est moche. C'est pour ça que je vous dis qu'entre le chauffage, la maladie et tout ce qui s'ensuit, j'ai dû contrarier quelqu'un. Je me suis pris mon karma dans ma gueule. <laughs> Écoute. Euh... Et je me rends compte que ma scène, elle n'est pas... Il manque un truc à ma scène. Attendez. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, bébé. Oui, je vérifie juste que tout est correct. <laughs> Faites marrer les gens. Je, je viens d'aller checker euh, le compte Twitch Dragon d'émeraude pour voir si vous avez... <coughs> Si vous aviez follow, et oui, il y a 4 follow merci à vous. Oui. C'est moi la first. Pas le choix, même si c'est pas vrai en vrai, je m'en fous. Bon, c'est la, deuxi la deuxième, mais en vrai, t'es la first. Ouais. C'est qui le premier qui doit se désabonner et se réabonner après Mais non, c'est lesbien. La... Lesbien, tu m'aimes. Non, c'est les... rien. Ça ne changera rien, je crois. Je <laughs> m'en fous. Je suis quand même la première. Euh... Ok. <laughs> on va passer à notre concept du jour. Euh, jeu yeah. en folie, jeu à gogo, ça a changé de nom plein de fois, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo indépendants. Sortie euh, récente ou un peu moins, ou future, d'ailleurs, surtout. Euh... Voilà, j'ai des abonnés à... Oh le attends, attends, je vais aller checker, je vais aller refresh la liste de follow sur, euh, sur le compte. Voir si ça a modifié. Bref, Lulu, tu dis. <laughs> euh... Et du coup, ouais, on va je... parler jeux vidéo. Je <laughs> suis tu... <laughs> la first. Je suis la first. <laughs> tu sais que es... tu sais que es la first sur ma chaîne aussi. Mon premier follow sur ma chaîne, Mr. Hudson, c'est Lulu. Ben oui. Et ouais. Oui. <laughs> Attendez, je m'hydrate deux secondes. Oui, c'est important de s'hydrater. En espérant que la, la flotte n'est pas congelée, premier degré. <laughs> Pardon, c'est pas drôle. Non, mais... non ça va. <laughs> Donc non, non, euh... <laughs> Non, mais je m'hydratais pour euh, ma gorge. T'as bien raison. Du coup, je vais vous parler jeu vidéo. Et nous, je ne vais pas le refaire 17 fois, mais c'est vrai que ça m'a tenté un petit peu. C'était rigolo. <laughs> je vais vous parler du jeu... Hop là Excusez-moi, je vais être obligé de faire une pause pour me boucher avant. <laughs> je suis désolée. OK. Euh, ouais. C'est... Voilà. Vous voyez, les aléas du direct, quand on est malade, c'est pas facile. Euh, mais c'est vrai que quand on stream, on n'a pas envie, enfin, ou quand on parle en vocal avec des gens, on n'a pas envie d'avoir de, des bruits de reniflement tout le temps. Donc, effectivement, ça se comprend. On va, avoir, on va encore découvrir des jeux euh, de façon. Euh, des... Vous savez, moi, ça tombe bien, parce que il se trouve que j'ai gagné sur euh, la tombola des 4F. Les 4F, pour ceux qui connaissent pas, c'est la communauté. Euh, bah alors, J'allais dire c'est un peu comme la paix, mais c'est hyper prétentieux. C'est une communauté de stream qui, qui a commencé à se monter il y a quelques temps avec Valfi et Faël. Euh, je crois qu'ils sont que deux pour l'instant euh, actifs dans la commune, mais je me trompe peut-être. Et euh, j'ai gagné leur tombola. Et du coup, j'ai une carte cadeau de 50 balles sur Steam grâce, à, grâce au fait que j'ai gagné le, le giveaway. Et du coup, ben... Bah... Ouais, j'étais en train de meubler, j'étais en train d'expliquer aux gens, ça tombe bien, qu'on <laughs> va découvrir des jeux, parce que comme j'ai 50 balles sur Steam à, à dépenser. Non mais t'as raison, carrément. Bah, Peut-être que tu vas pouvoir découvrir des trucs sympas aujourd'hui. Euh... oui, tout à fait. Et, et du coup, si, si vous aimez bien le copain Valfi et que vous voulez soutenir, n'hésitez pas aussi à follow la chaîne 4F. Euh... Ça lui fera plaisir, je pense. Ou Fael. Fael aussi. Faël qui est dessus aussi. Fael TV Bouge. Yep. <laughs> ah, t'es nul. Du coup, <laughs> ah. il y a un tiret, oui, un tiret du bas. Euh, du coup, <laughs> du coup, euh, excusez-moi, mais en parlant du nez, je pouvais pas, genre, je pouvais même pas respirer, donc euh, me revoilà. <laughs> Du coup, je vais parler de Pierce of Pagonia. Je vais d'abord vous mettre le trailer et ensuite... Oh Et ensuite, on en parle. Alors, euh, la réaction très honnête de Zen. Donc, Pioneers of Pagania, c'est un jeu de construction de ville basé sur l'exploration. En gros, vous venez en aide aux autres tribus, vous, pro vous protégez vos populations, vous explorez le monde créé de façon procédurale pour faire de votre colonie la plus prospère. Il y a tout un système d'économie qui est relativement poussé. Et bien sûr, bah, pour tomber sur des choses, il faut explorer. Le jeu sera disponible et disponible pardon depuis le 13 décembre. C'est anticipé. C'est un des, jeux les plus anciens. C'est le jeu le plus ancien dont je vous vais vous parler aujourd'hui, mais j'ai pas pu vous le présenter les fois d'avant et il est. Euh, moi j'ai vu des Let's play, c'est très excellent. J'ai pas pu jouer parce que euh, on est tous très occupés pour la fin d'année, mais euh, on peut publier les villageois. Ils donne trop envie de se mettre <laughs> en face d'eux et de les empêcher d'aller là. Oh là là, c'est terrible. Hein. Il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo pour différentes raisons les uns des autres. Hein. Voilà. Oui. Alors, comme je vous disais, j'ai perdu toutes mes notes. Et du coup, je n'ai pas récupéré les notes liées euh, au studio de jeux vidéo. Euh... Et je risque de me planter dans ce que je vais dire. Du coup, euh, bah, je vais me planter en beauté. Il me semble que le jeu est à une trentaine d'euros. Ce qui, je trouve, peut paraître un peu cher. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que euh, le studio a créé un autre jeu. J'ai été vérifié, c'est de ne pas me tromper et pas de dire le... parler du mauvais jeu. Mais du coup, le studio euh, de développement a créé un jeu en 2016 qui est d'abord sorti sur mobile. Et il a eu d'ailleurs un prix du meilleur jeu mobile, euh, je ne sais pas quoi. Euh, je sais plus quoi plutôt. <laughs> et du coup, après, ils se sont lancés sur ce jeu-là que je trouve euh, super joli, très honnêtement. Et euh, il est coloré, il a l'air sympa, le système de... de... Bah ouais, un, un. oui, une vision, exactement. Et alors euh... c'est très très drôle, j'ai un truc qui me fait beaucoup rire sur Steam, wow. avec ce jeu. Euh, je viens d'aller vérifier comme, comme Bitsou l'a fait, donc du coup effectivement il a 30 balles, mais euh, apparemment il y a des fonds d'écran euh, 8K du jeu et si tu les achètes ça coûte 40 balles c'est plus cher que le jeu lui-même il euh, n'y a pas le jeu qui est inclus bah j'espère que si du coup mais attends je, je... <laughs> ça, que ça paraît très cher ce contenu nécessite le jeu de base sur steam pour fonctionner <laughs> ah, <c 'est... rire> mais c'est magique c'est plus cher que le jeu en lui-même d'accord non ah, bon. c'est pas vrai c'est pas vrai parce que si tu regardes dans le bundle pour avoir le jeu plus le soundtrack plus le machin qu'on a pour 40 euros ah Et oui donc il pas donné le soundtrack ça doit être la totale 5 balles cinq, <laughs> un, cinq un, la, la, la bande son ouais ok en tout cas euh, oui en effet <laughs> mais leur premier jeu est gratuit space of war <laughs> donc euh, pour ce jeu n'hésitez pas à me donner votre avis sur le chat et Hudson n'hésite pas euh, à nous dire ce que t'en penses bah euh, j'aime beaucoup l'ambiance graphique et a priori la musique du trailer est sympa ça, ça a l'air d'être assez chill et euh, j'ai bien aimé le, la créature là je sais pas trop si c'est un dragon ou quoi à la fin euh, ça promet qu'il va sûrement y avoir tu vas sûrement de faire attaquer ton village je suppose qu'il va, euh, va falloir le défendre ou, ou alors le trailer est mal fait si y a moi j'aurais dire un loup-garou Ouais, ouais peut-être. Mais non, non, ça, ça a l'air sympa. Après, voilà, c'est ça, ça pas forcément mon genre de prédilection. Après, euh, suivant comment c'est fait, ça peut être sympa de, de, de tester. Euh, je, encore une fois, je sais pas, j'ai un petit faible pour les. Pour, quand il y a des jeux comme ça, j'ai un petit faible pour le style graphique. Un peu cartoon comme ça. Euh, J'aime bien. Donc, euh, à voir. À voir comment ça se passe au niveau gameplay quoi à la limite c'est le genre de jeu euh, s'il y a un, il y a quelqu'un qui le stream ou s'il y a un gameplay sur youtube ça peut être instructif d'aller jeter un oeil à comment ça se passe pour savoir si ça peut me plaire ou pas carrément bah moi quand je l'ai découvert euh, je suis allée regarder tout de suite des gameplays parce que je savais que j'aurais pas j'aurais pas le temps mais euh... voilà oui, tellement bah, de oui. jeux en même temps regardez ma liste de souhaits elle a plus de 160 oui Lélie, je suis d'accord, il y a des jeux de gestion sans attaque, mais là, on te montre à la fin une créature en mode ah, ⁇ tu, tu te dis que c'est... ⁇ S'il n'y si, 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 a pas ça dans le jeu, la bande-annonce, c'est bizarre. quoi. Non, non, mais tu, en effet, il faut bien protéger ta population et... Euh... Et... Il euh... et euh... et y a des brigands, il y a des monstres, il y a des trucs comme ça. Hein. Des bêtes sauvages et des créatures mystiques. <laughs> C'était donc, donc euh, Pierre Sauf-Pagonia. Hop là, je vais maintenant vous parler euh, de Turnip Boy Robs Robs Bank. Alors mon accent euh, est à euh, vomir, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ok. C'est le garçon. Na... Comment C'est le garçon navet. C'est le garçon navet de retour. Je vous envoie la bande annonce. Mais... <coughs> C'est la suite du premier, euh, le premier euh, commit euh, tax-évasion. Donc, euh, en gros, euh, évasion fiscale, bonjour. Cette fois-ci, notre petit navet euh, devient braqueur de banque. <laughs> donc, ce hack-and-slash hack euh, loufoque est, est très décalé. Est-ce que vous arriverez à faire le casse parfait? Ça, ah, c'est toutes les questions euh, que l'on se pose. En effet, Beau il y a joué, il a fait le let's play complet sur, euh, sur Twitch. Le jeu sortira le 18 février sur Steam et sur Nintendo Switch. Et encore, vous n'avez pas tout vu, il faut savoir que cette blague est présente dans leur euh, description du jeu. <rire> <rire> voilà, voilà. <rire> et qu'elle ne m'a pas fait rire la première fois déjà. Ouais. Bistou fait partie des développeurs, c'est ça J'espère que non. <laughs> Parce que je pense qu'ils sont bien, hein, les développeurs. Waouh, <laughs> wow, wow, ça tire à bah, Moi, j'aurais envie de dire ce, ce jeu, euh, je vais dire la même chose que les fusils ça a l'air très sympa, mais ce ne sera pas mon style. Bonjour. Il y a ma chérie qui, qui vient faire le coco. Je, je coupe le micro trois secondes. Vas-y, euh... vas-y. Donc du coup, euh, Turnit Boy, euh, j'aurais euh, pu avoir beaucoup plus d'informations. J'en avais beaucoup plus. Il euh, faut savoir que donc le, le premier est sorti à un moment maintenant. En effet, il a été fait. Euh, il, il est pas très cher. Euh, à l'heure actuelle, on n'a pas le jeu sur Steam. Par contre, on a déjà euh, la précommande disponible sur Nintendo Switch. Et du coup, on sait déjà que le jeu sera une, une quinzaine d'euros euh, en gros parce qu'on a déjà le, le prix euh, d'affiché. Est-ce qu'il sera au même prix sur Steam Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, sur Switch, euh, on a le prix. Le jeu est. Euh, a l'air hard quand même. Moi, c'est le genre de jeu auquel je ne peux pas jouer. Ça me met trop la, mal au crâne. Mais par contre, c'est rigolo. Braque 5 fruits et légumes par jour pour une économie régulière. Waouh Régulier, waouh Waouh il sera sur le Game Pass. I don't know, mais je te fais confiance. <laughs> du coup, il sera disponible à partir du 18 janvier, si tout se passe bien. <laughs> oui, euh, en effet, Bouge. Euh, ok, je vais euh, faire un truc. <laughs> ils se font des bisous on voit pas de quoi tu parles bouh ils se font des bisous on voit pas du tout de quoi tu parles des trucs d'adultes ouais. euh, du coup <laughs> du coup est-ce que tu as autre chose à dire sur le jeu non bah en vrai ça, ça, non, ça a l'air très bien et euh, mais moi moi clairement ce ne sera pas mon genre de jeu. Après c'est pareil, c'est marrant, c'est souvent sur les petits jeux indés, je me rends compte que les, le côté un peu rétro, slash graphisme dessiné, tout j'aime je, je, bien. C'est choses, c'est des petites ambiances. Et en plus, le, ça a l'air assez rigolo, ça a l'air assez drôle. Mais euh, après de la, de l'acheter la, de la y jouer non pas forcément en ce qui me concerne. mais je comprendrais que ça fonctionne. OK. Ce que je devais faire maintenant, c'est un truc que j'ai fait euh, une ou deux fois depuis le début de ce concept, c'est que je vais revenir sur un jeu dont j'ai déjà parlé pour vous parler de la suite des informations. Alors, euh, pour rappel, Palworld, je vous en ai parlé en janvier 2023, euh, pendant le brunch dédié euh, au Pokémon-like, et c'est un jeu qui n'avait pas du tout euh, fait l'unanimité quand j'en avais parlé parce qu'il est violent. En fait, c'est un Pokémon-like euh, shooter, donc tu euh, des armes. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu gros débat sur, euh... ouais. Il y avait eu cours gros débat sur... Euh, ah mais euh, tirer sur des animaux. Et euh, du coup, je reviens juste dessus parce que sur l'intégralité des jeux que je vous ai présentés ce jour-là qui ne sont pas sortis, c'est le seul qui va sortir. <laughs> Les autres, euh, ils ont été annulés ou euh, mis en suspens. <laughs> Dont un, euh, qui était euh, celui qui avait le plus plu, euh, qui a carrément... Euh, sûrement ne verra jamais le jour. Parce qu'ils se sont, ils ont tout basé, tout leur euh, système d'économie qui était basé sur de la crypto. Et ça s'est pété la gueule. Voilà, perso, perso, ce ne sont que des pixels, mais euh, je vais malgré tout euh, vous repasser. Bah, du coup, le nouveau trailer, puisqu'il y en a un qui est sorti il y a quatre jours, parce que justement, euh, le jeu va sortir dans quelques jours. Hop là. Alors oui, vous allez, euh, allez piou pio sur des sur des Pokémon. Voilà. Donc ça c'est le tout dernier euh, trailer qui est sorti. Alors oui, là euh, je ne vous ai pas mis euh, le même euh, trailer euh, sur celui-ci. On ne voit pas beaucoup plus de violence que dans les Pokémon. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment euh, tirer sur les Pokémon Est-ce que c'est vraiment différent que de dire à ton Pikachu de défoncer euh, le chenipan qui est en face de toi Je ne suis pas sûre. Maintenant, en effet, il y avait ce côté... Euh, y avait ce côté euh un peu violent, qui n'a pas plu à tout le monde. Et je l'entends et je le comprends, mais il sort donc le 19 janvier. Et euh, c'était quand même important de le souligner. Il euh, y a d'autres jeux euh, qui, ont de, des, 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 qui vont sortir et dont j'ai déjà parlé, euh, mais il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de choses à dire en plus. Euh, voilà, c'est amené d'une manière différente exactement. Mais euh, sur le principe, euh, Bon, bah, si Sacha, il avait une carabine, euh, est-ce qu'il s'empêcherait euh, de manger euh, pour être sûr de ne pas faire de mal aux animaux. <laughs> Pokémon. Je voilà. Euh... <coughs> je suis assez d'accord avec ça. Personnellement, bon, bah, j'avais déjà dû le dire au moment où... Si je ne sais plus si j'étais là à ce brunch-là, mais... Pas plus fan que ça des, 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 des jeux type Pokémon, donc je ne le prendrai pas. Après, pour l'histoire de la violence... Euh je suis désolé s'il y en a que ça choque moi je suis un peu Timbosh c'est des pixels c'est fictif euh... Euh, ça fait de mal à aucun vrai animal et, et ça a pas l'air ça a pas l'air si, si amené de façon si choquante que ça en plus je trouve oh sur euh, le trailer mais... c'était quand même un peu hard mais en fait tu t'y attends ouais, juste je... pas quand t'entends Pokémon like ouais c'est ça tu t'attends pas à ce que quelqu'un il lui mette sa mitraillette contre un espèce de... de mouton mais voilà bon Maintenant, euh, c'est le jeu. C'est comme ça. Vous y attendiez pas, ça, ça a perturbé. Moi, bon, en attendant, euh, ça reste un jeu que j'ai présenté et euh, ça reste un jeu que je pense pas jouer, mais je pense peut-être regarder. Non, il n'y a pas de sang, en fait. Hein. Non, il n'y a pas de système de sang. Maintenant, oh, euh, que les gens n'aiment pas euh, jouer à ce genre de jeu et n'y jouent pas, c'est ok aussi. Voilà. Pour moi, le level de violence, ça a l'air de ressembler à, par exemple, ce qu'on voit sur beaucoup de, J de JRPG, où euh, tu as des monstres des fois très mignons, euh, comme dans les Final Fantasy ou les choses comme ça. Des fois, tu as des monstres qui sont très, très pipoux, tu leur tapes sur la gueule euh, avec ton épée ou quoi. Euh, bah, euh, pour moi, c'est pareil, quoi. Tout à fait. Pour moi, c'est plus ou moins le même principe. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au jeu suivant. Mais pour le jeu suivant. Sachez que j'aimerais qu'on... Pour le coup, j'aimerais ouvrir un petit débat après. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous passer le premier trailer. Et ensuite je vous... On parlera deux secondes et je vous passerai le second. Our world was alive once. Or so the stories say. None of us remember what life was like before Ragnarok. The War of the Gods destroyed everything. The world tree shattered, tearing the realms apart. And from that ruin, the endless void Ginungagap returned and swallowed everything that remained. But here, against all odds, we're shielded from its hunger. We're free to live, to grow strong and thrive under the protection of the World Tree's sapling. But have you ever wondered if there's more out there than this little haven? What if other shards of the World Tree survived? What if we're not the only ones left? What if it's up to us to put our lost world back together again? Je vais vous expliquer pourquoi je veux en parler et je vous dirai quand même ce que j'ai à vous dire avant qu'on lance le débat. Mais je suis d'abord tombée sur ce trailer et j'ai trouvé ce trailer euh, assez spécial. Je vais vous montrer le deuxième trailer et c'est la raison pour laquelle vous comprendrez peut-être ce que je dirai après. Je vous montre le second. 嗯。Hmm. Et alors, je vais vous raconter rapidement mes, inf mes petites infos et après, hop, hop, on parle. Donc, Route of Yggdrasil euh, est un jeu de construction se déroulant après euh, le Ragnarok, slash pendant, fin de, euh, bref, ben là quoi. C'est un mélange de jeux de construction et de jeux de cartes avec des événements aléatoires afin de construire des colonies prospères à travers les neuf royaumes pourrez-vous survivre à la fin du monde alors sachez que le jeu prévoit de sortir en accès anticipé le 24 janvier et sachez que j'ai été euh, très choquée de découvrir que après le premier trailer de découvrir que c'était un jeu de gestion euh, alors que il nous vend une histoire incroyable je m'attendais à un jeu à, plus proche des euh, des petits jeux d'aventure voilà euh, la... Euh, Never alone, je crois. En tout cas, plus proche des jeux d'aventure euh, et de déplacement. Et pourtant, Boj avait eu le jeu de gestion pendant la première bande-annonce, et euh, je, moi, ça m'a traversé l'esprit aussi de me dire qu'il va sûrement falloir euh, gérer la, la construction. Euh, je sais pas. Le... Ouais, c'est l'or, c'est plus le lore, le premier. Mais je suis d'accord avec Luna sur le fait que l'histoire, c'est une histoire qui est épique, tu t'attends à de la baston et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a... y a un côté... Euh... Bah, toi, par exemple, tu l'as vu venir, genre euh... bon, le... le côté jeu de gestion. Parce que tu as commenté ça dans le chat pendant la première, le premier trailer. Donc, c'est assez ah, oui. intéressant. Mais euh, je suis d'accord avec toi, Lulu, que ça peut faire cet effet-là où tu, tu vas t'attendre à un RPG, quoi. Un... C et en fait, tu balances un jeu de gestion. Ou même un, un RPG, ou même un jeu à la, à la grille, ou des trucs comme ça. Hein. Alors, il faut oui. savoir que moi, quand j'ai cherché le trailer, je savais déjà quel était le jeu. Mais quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, mais ils ont essayé d'arnaquer les gens. <laughs> en gros, t'as vraiment cette impression que tu vas être immergé dans une histoire incroyable avec des graphismes de ouf. Puis finalement, c'est un... un jeu euh, de gestion euh, avec un système de cartes. Et... Euh... Oui, voilà, tu, tu te dis qu'il faut tout rebâtir, mais je suis d'accord. Après, c'est ce que je dis, moi, je savais déjà. Mais par contre, je pensais que c'était un jeu d'exploration. Et du coup, euh... du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que ils ont fait un super trailer, mais ils... je trouve qu'ils se sont limités vachement au niveau du jeu et de la de... du design du jeu. Oui. Donc, ça reste un jeu de gestion auquel je jouerai pas parce que les jeux de cartes, c'est pas mon truc. <laughs> Mais euh... voilà Par contre euh, j'aime bien euh, ce j'aime bien j'aime bien malgré tout le fait que ce soit dans un univers qui change bah ils utilisent le ils ont fait euh, bah, ce que fait beaucoup de monde y compris marvel c'est à dire utiliser les la mythologie nordique qui est, euh... qui permet des choses très stylées l'histoire de L'histoire des, des neuf royaumes de Dick Drazil, l'arbre de vie, Midgard, Asgard, tout ça, tout ça. c'est L'univers le, le, a l'air très, très bien. Après, je suis d'accord qu'il y a un décalage malgré tout. Entre, je suis d'accord avec toi, Luna, avec euh, le trailer qui te plonge dans l'univers. Et peut-être que le gameplay peut être décevant euh, par rapport à ce côté épique. Je suis assez d'accord, faudrait voir. Moi, bon, après, vous le savez, je ne suis pas extrêmement porté sur les jeux de gestion, mais en tout cas. Euh, à voir s'ils si ont réussi à conserver ce côté un peu épique de l'histoire ou pas avec un jeu de gestion avec des cartes. Euh, pourquoi pas Mais euh... moi, pour oui, a priori pas convaincu, mais euh... il est peut-être très intéressant. Il faut, faut, faut voir. Okay. Euh, non, il n'y a pas de multi. C'est que du solo. Mais je vous ai pas proposé de jeux multi euh, aujourd'hui aujourd finalement. Mais il n'y en a pas eu tant que ça des sorties en jeux multi finalement dans les jeux indépendants. Peut-être que les jeux multi c'est pas si simple à faire et... et que du coup quand on est un petit studio un tout petit studio qui fait des, des jeux plus modestes que... que des triple A peut-être que des... peut-être que les jeux multi c'est pas si simple à faire. Hein. Oui je pense. Hein moi je suis pas dev donc ça pour le coup. Euh... c'est bien oui. <laughs> je vais passer au jeu suivant. Je vais vous parler de Rin, the Last Child je vais vous mettre le trailer. Hop là, c'est parti. Peut-être rebaisser un peu le son. Oh. My child. I created you to save this world. Find and master the aspects to survive. Hurry! Luna, je t'entends plus du tout. Ah, oh, on m'entend pas. Du coup, euh, Rin The Light. <laughs> the, light... Uh, the Last Child, euh, c'est un jeu de plateforme à, multiples... à fin multiple. Euh, dans un monde de magie, tu incarnes Rin, la dernière enfant du créateur, et tu voyages pour restaurer l'ordre dans ce monde mystique, à savoir que tu dois collecter des runes, créer des sorts et affronter des boss. Qui sont en réalité tes anciens frères et sœurs, hein euh, voilà. <laughs> c'est euh, tout de suite expliqué. Euh, Est-ce que tu arriveras à sauver le monde C'est autre chose. En effet, euh, c'est un jeu euh, qui fait penser à Ori, qui fait penser à Light Child. Euh, Light of Child, non Light Child Je sais pas. En tout cas, c'est un... Child of Light. Merci. Ce serait plus logique. Mm. Super l'impression, je t'ai créé pour que tu sauves le monde. Mais en fait, il a créé, ses enfants pour enfin, il a créé son, son dernier enfant pour sauver le monde, en effet. Et remettre l'ordre là-dessus, là-dedans, en dessous de ce bazar. Euh, le jeu sera disponible sur Steam et sur console PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox, le 25 janvier. Et du coup, euh, laisse euh, beaucoup de place et de choix. Je trouve que le, je trouve que le jeu est joli. C'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue, bien sûr, parce que vous savez à quel point j'ai aimé Ori. Mais par contre, le son est incroyable. Il y a une ambiance qui se dégage. L'histoire a l'air sympa. Qu'est-ce que tu en penses de ça Bah c'est pareil. Moi, le côté Ori, ça va pas être quelque chose dans lequel je vais avoir envie de me lancer maintenant. Maintenant, je suis d'accord que le... la bande son est très bien. Je suis d'accord que graphiquement, c'est cool. Et je pense qu'il est bien. Je pense que c'est un peu comme se, se trouve, c'est aussi bien que Ori. Après, euh... Euh... attends, est-ce qu'il y a un prix d'annoncer ah, pas pas si Alors, je l'ai, je l'ai, je, je pensais le trouver au moins sur euh, la Switch, mais il n'est pas. J'ai cru voir, c'est peut-être moi qui ai eu une hallucination, j'ai cru voir le truc PlayStation au début du trailer. Oui, mais c'est normal, qu il que... va sortir sur plein de trucs, et moi j'ai pris le trailer ouais. le plus intéressant. Par oh contre, oui, la est démo ça. est déjà dispo. Sur Steam. Euh, ouais, bah, je vois qu'il est, est écrit sur Steam, effectivement. Euh, il ouais, y a une démo, ouais. Bah... Ouais, non, faut, faut, faut voir. En fait, en fait, ça dépend de vous si c'est votre style de jeu. Il euh, y a un petit côté un peu... Euh... Le, le personnage a un design un peu surprenant. Le, le côté... Euh... Euh... Je sais pas, on dirait... Enfin, ça fait vraiment... Oui, euh... ils n'ont pas essayé de faire un truc qui ressemble à un, à un héros, quoi. C'est sympa, j'aime bien le design. Oui, c'est vrai. Elle est vaporeuse. Oui, c'est ça. C'est un peu... Euh... Une sorte de démon, quoi. C'est marrant, ça change. A savoir que le studio, euh, c'est son premier jeu sur PC, mais par contre il a produit pas mal de jeux euh, mobiles. Euh, mais que des, des petits jeux, euh, je ne sais pas si vous en connaissez certains dans le lot, mais voilà, des petits jeux mobiles. Je vois. Euh, je ne me souviens plus, mais je crois que j'ai jamais joué à un, leur jeu mobile. Mais j'ai joué à tellement de jeux mobiles. Dans le doute, j'aurais dû vérifier mieux. <laughs> oh, cas... Non, non. Après, il est quand même important de souligner que le jeu, à la base, il était prévu pour euh, le troisième trimestre 2022. Donc, il oui. doit être bien mieux que ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Il <laughs> faut espérer, oui. Je pense. Et il est très, cool du... ça... est, très... est très cool que ça sorte. De toute façon, c'est toujours un peu triste quand un jeu est annulé, je trouve. Même si c'est pas un jeu qui t'intéresse, euh, c'est toujours une perte quelque part. Ah oui. C'est toujours, toujours dommage pour, pour la communauté des joueurs, pour, pour la richesse de, de l'univers des jeux vidéo. Donc, oui, c'est une, une bonne nouvelle que ça sorte. Oui, à savoir que ça avait quand même été déjà annoncé le au 21 septembre 2023, et euh, malgré tout, il n'était pas sorti. Par contre, euh, en effet. Euh, arrêtez d'annuler des jeux quand je vous les ai présentés, ok <rire> <rire> eh, Tu peux pas savoir, hein, t'es pas devant. Eh mais ils font chier, ok Moi je présente des jeux, <laughs> je regarde des jeux, moi il y a des jeux, j'attends depuis 4 ans déjà. Oui, quand tu l'attends et que ça sort pas, c'est vrai, vraiment très 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 frustrant. Oui et, et, Oui, je suis d'accord. Oui, c'est pénible <laughs> J'ai un jeu que j'attendais en 2009 ou 2010 euh, qui a été annulé, euh, je m'en souviens encore. Donc, euh... Oh waouh Ouais, ouais, ouais. ouais C'est oh, un pique. jeu. Euh... C'était un jeu Highlander. Ça avait l'air, parce que moi je suis fan de Highlander. et Ça, ça avait l'air trop bien. Et c'était des trailers. Il y avait un trailer qui était super et le truc a été annulé. Donc euh, ouais, ne... annulez pas les jeux quand les gens sont épais, s'il vous plaît. Ouais. Ça marche, bouge. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un truc qui diffère un petit peu d'habitude. C'est que je vais vous parler d'un jeu. Je vais vous parler d'un jeu. Euh, qui attrape le chien le plus vite <laughs> Il lui fait des câlins pour pas ah. qu'elle aboie. voit. <laughs> voilà, c'est Coucou. Du coup, je vais vous parler de fourniture, build and repair, euh, et je vais. Surtout, vous montrer euh, que je vais vous montrer pourquoi je veux vous en parler alors que je n'ai rien à vous en dire. Je vous explique. Il euh, y a une bande-annonce de quelques secondes qui n'est pas une bande-annonce, mais il va falloir faire avec. Est-ce que c'est waouh, plus ou moins centré, pas vraiment. Okay. On, va pouvoir, euh, on va pouvoir virer les, les annonces Wisebot de l'école de magie, aussi, accessoirement. <rire> oui. Un <laughs> petit peu fermé. Du coup, aujourd'hui, je vous parle de ce jeu parce que. Euh... Hop là. Hop là. Attendez, excusez-moi. Hein. Waouh, j'écris bien. Alors, en gros, pourquoi je vous en parle Donc, ce jeu. Donc, c'est euh, un, un cosy game de réparation et de construction de meubles dans un Diorama coloré. Donc, vous êtes dans cette, cette pièce qui a l'air d'être une chambre ou un mini appartement, on n'est pas trop sûr. Euh, mais le but est simple euh, tu passes un bon moment dans une ambiance étendue entre musique et planches de bois. Tu crées des meubles, tu les envoies, tu gagnes des niveaux, etc. Ou tu les répares d'ailleurs. Le jeu est prévu euh, pour euh, euh, janvier, mais sans date précise de sortie. Par contre, la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est par rapport à son studio de développement. Donc je voulais vous en parler et m'attarder sur le studio parce qu'il s'agit donc d'un studio français, même lyonnais, euh, qui s'appelle Suro euh, Games. Et c'est donc moins de 10 personnes qui travaillent sur 3 projets en simultané à l'heure actuelle. Donc les 3 projets ont l'air intéressants. Et du coup, en fait, ce que je voudrais faire et mettre en place cette année, c'est... Euh, je voudrais que cette année je puisse dédier euh, un petit passage de temps en temps euh, de mon concept à parler de ce, euh, ce développement qui travaille donc sur euh, trois jeux, euh, donc Furniture, Build euh, and Repair, euh, Cloudy euh, Valley et Wind euh, Journey to the Sky qui sont donc trois jeux euh, qui sont en attente de, leur, de sortie et euh, j'espère pouvoir vous en parler au fur et à mesure. à <laughs> le, le cadrage. Au fur et à mesure de l'année qui va s'écouler. Euh, je vais essayer de les contacter pour essayer d'avoir des informations également. Donc voilà, ça c'est un peu, euh, un peu mon, mon goal de cette année en termes de concept, puisque c'est le premier live concept de cette année que je vous propose. Et ben j'ai décidé d'inclure ceci pour aller plus loin. Euh, Peut-être pouvoir les interviewer comme je l'avais fait avec. Euh, avec Rising Gear, peut-être euh, voilà, aller plus loin là-dedans, peut-être avoir des images en exclu, on ne sait pas, on verra, on va essayer. Ça C'est cool. Ça, c'est mon avancée euh, personnelle sur... Euh, pour vous. <laughs> mon avancée euh, du concept pour vous. voilà. Et ouais, c'est trois jeux qui ont l'air cool. graphiquement très cool, très coloré, très sympas. Voilà. et eh ben, C'est nickel tout ça. On, on, <coughs> on a hâte d'avoir des nouvelles, tu crois Oui, et euh, je vous mettrai. Euh... Oui, moi aussi j'attends. Pour l'instant, il y a trop peu d'informations et c'est très dommage. Mais euh... alors c'est dommage, mais c'est une bonne stratégie marketing pour te faire, pour te faire cogiter et te donner envie d'y penser, je trouve. Oui, oui. Puis euh... la preuve, c'est que ça a marché. Regarde, moi, je veux tout savoir. <laughs> ben, c'est très bon, tu, tu, tu montres, mais tu montres pas suffisamment comme ça les gens disent, mais c'est quoi, je veux savoir Oui, exactement. Et maintenant, je vais vous parler du dernier jeu. Et pour le dernier jeu, on va juste revenir sur le format classique. Euh, je vous en ai déjà parlé, je crois que j'en je, vous en ai parlé sur le tout premier brunch que j'ai présenté. Ce n'était même pas encore sur la chaîne de la paix. Hein. Il me semble que la première fois que je vous ai parlé jeu vidéo, c'était encore sur ma chaîne. Et qu'à ce moment-là, je vous en ai parlé. Ça veut dire à quel point ça remonte. Ça date, oui, ça fait... Avant, les... Avant, euh... Avant euh... janvier 2022, je crois. C'est ça. Euh... Non, mais. Je ne sais plus de quand date la chaîne de, de la paix. Mais non, on a commencé en juillet, puisqu'on a, le pro... on a la... les 1 les an. Donc moi, si... moi, je pense que j'en ai parlé aux alentours de juin. Euh, non, pas le juin. Euh, Avril ou mai, par là. Donc voilà, je euh, vous mets le petit, la petite bande-annonce, le trailer, et on est parti. Ça a pas marché Ah si. My name is Tess Devine, and the world is passing me by. I guess as I get a little older, I'm starting to feel how things... Change. They decline and go away. That's how it was with my grandma. I loved her so much. I thought I knew her better than anyone. But looking through her old things, we found hints of something she never told us about a man who wasn't my grandfather, a burglary ring, some sort of lost fortune. We can't ask her about these things anymore, so. We have to go looking for the answers ourselves. My mom and I are out on the road, searching. I don't know what we'll find, but whatever it is, I know we'll find it together. Kay. Okay. Okay. Alors, Open Road, c'est un jeu. Hop là, un jeu d'enquête interactive rempli de secrets et de mystères. C'est un jeu avec des nuages. Euh, là, comme ça, ça ne me parle pas. Donc, c'est l'histoire de Tess et de sa maman qui partent en voyage, euh, en road trip, Elle est, euh, vers euh, des découvertes surprenantes. Euh, on peut, on, on, ils peuvent difficilement liker euh, beaucoup d'informations sur ce genre de jeu puisque sinon ça, ça spoilerait tout le jeu. Bah, <laughs> spoiler, je pas. Donc en gros, il s'est passé quelque chose en lien avec les, la grand-mère. Il faut savoir que malgré tout, c'est écrit et c'est bien précisé, c'est euh, Tess et sa maman avec qui elle est en conflit partent en road trip. Donc ça euh, va sûrement être assez intéressant à découvrir. Euh, sûrement beaucoup de... Il euh, doit y avoir ce côté, euh, les conflits, les secrets et tout ce que ça emmène. Les secrets, c'est pas bon pour euh, la vie, les gars. Voilà. <laughs> c'est mon avis de... C'est mon avis de psy de, de, si, du comptoir là. C'est mon avis de comptoir. Et euh, du coup, le jeu est prévu pour euh, fin février le 22. <coughs> Je veux que le elle Allez, moi. <laughs> Donc, voilà. Euh... Qu'est-ce que vous en avez pensé Je trouve que ça peut être intéressant. Euh, bah, C'est toujours pareil, on ne sait pas où va nous emmener l'histoire. Donc, ce qui est logique, parce que sinon... Bah, bah, raconte-nous l'histoire du jeu dans la bande annonce tant qu'il est mais euh, non non serait très, très clairement euh, ouais pourquoi pas alors toute proportion gardée parce que petit jeu un enfin jeu moins gros mais ça me fait penser à des jeux du style et là je suis emmerdé parce que j'ai le titre qui m'échappe euh... comment s'appelle ce jeu là où elle l'a fait euh... oh bref tant pis c'est pas grave mais oui ça peut être intéressant euh, de, de... J'aime bien quand il y a une histoire comme ça. Non, mais ah, c'est pas ça. Bon. Mais là où elle a fait tellement de jeux. <laughs> oui. Non, mais c'est un gros jeu. Je vous parle d'un gros jeu, mais je sais pas pourquoi. Ça m'y fait vaguement penser. Et j'ai juste le titre du gros jeu qui m'échappe parce que bah, ça arrive à tout le monde. Euh... Ah, Life is Strange Mais oui oh, Mais oui, mais en fait, c'est tellement évident que moi, je pensais que pas tu parlerais de celui-là, mais. Mais si, il fait... y a une petite vibe un peu, je trouve. Euh... Ouais. Il ça y... Ça y... y a une petite vibe. Ah ouais, non, mais Bosch, moi, je que... t'ai <laughs> dit un, <laughs> un trou de mémoire sur un gros truc. Oui, c'est ça. <laughs> c'est pour ça que tu as dit un gros truc, je me suis dit, bon, mais je te donne le plus gros. C'est ça, tu étais en pile dedans. C'était exactement ça. <laughs> Oui, c'est vrai qu'il y a une petite. Euh... Bah oui, bien sûr, euh, c'est le, de... le même genre de jeu. Waouh. C'est-à-dire, euh, toute proportion gardée. <laughs> ouais, c'est ça, non mais c'est ça, c'est ça. Mais ouais. Euh... Graphiquement, le rythme de parole. Oui, savoir que je connais pas trop ces personnes, mais apparemment, il y a des bons doubleurs euh, dans, ce... dans ce jeu. Ils ont été doublés par des gens euh, connus euh, dans le doublage. Euh... Euh, américain ou, ou anglais ou euh, britannique, je sais pas lequel des deux. J'avoue, je peux aller jusqu'au bout. <laughs> des Mais euh, du coup, euh, à voir hein, si euh, à voir si même chose France peut-être. Je ne sais pas si, si il sera doublé. Alors je, c'est un genre indépendant. Je suis pas sûr qu'il soit doublé. C'est quand même très rare maintenant les doublages euh, à l'audio. Par contre, euh, il est en français. Dis, oui, il a, a... peut-être de la merde, mais il est en français. Oui, oui, bah les textes, oui. Bah oui, si vous parlez pas bien anglais et que vous et que vous lancez dans ce genre de jeu et qu'il n'est pas sous-titré, c'est vrai que ça... Je comprends que ça puisse être fa vite faire vite un problème. Oui. Donc, euh, oui. Ça pourrait... Ça pourrait vite être un problème, en effet. Euh... Ok alors, il faut savoir que moi, j'ai pas prévu plus de. de... C'est terrible, hein, j'ai pas prévu plus de jeux parce que d'habitude, bah... ça suffit. <laughs> mais là, il nous reste une demi-heure. Alors, vous avez le choix. C'est le chat qui décide. Un ou deux, vous votez. Un, je vous montre comment je trouve tous mes jeux d'abord sur Steam et le reste, je le garde pour moi parce qu'il ne faut pas déconner. Et euh, je ne vous dis pas comment je trouve toutes mes infos, mais je vous montre comment je trouve mes jeux sur Steam. Mais je crois que je l'ai déjà fait et de euh, oui on est en avance mais en fait en général, là on a lancé vraiment il était 10h et on est vraiment on a vraiment l'audio à 10h10 10, tu vois d'habitude on lance sur et... jour de 10h15 on est là à 10h30 <laughs> et on n'a pas spécialement reçu en plus on a, on a non. Le temps, euh, comme d'habitude hein, non mais après j'ai dit beaucoup moins de choses parce que sinon je vous parle des jeux dont j'ai parlé dernièrement et qui, sont, qui ont fini par sortir de temps de dire que ça donne personne à l'autorité Ce sera répété et déformé, Bojan, comme d'habitude. <laughs> <laughs> ce, sera, ce sera amplifié. Comment ça, a un problème, ça peut créer des scènes épiques car tu comprends pas et tu cliques sur n'importe quoi. Clique pas sur n'importe quoi. C'est rarement une bonne idée, je crois. Surtout en live. <laughs> Surtout en live. Surtout en stream. Mais euh, ouais, non, bah vas-y, je sais pas trop. Est-ce que, est que tu veux faire un vote avec un sondage et tout Non, bah faire un sondage, juste dans le chat. Parce que sinon, moi, enfin... je, vous dis, je vous parle rapidement de Human Phobia, dont on a parlé la dernière fois, qui est sorti et qui vous ramène dans vos peurs euh, les plus humaines. Euh, avec, euh, si je ne me trompe pas, euh, la thalassophobie, la peur des poupées et des mannequins. Il est sorti, c'était prévu, hein, on en avait parlé, on savait. Ça y est, c'est fait. Euh, il est en accès anticipé à 3,99€. Et euh, je pourrais vous partager mon écran pour vous montrer ça parce que je suis une gueudin. T'es une, une gueudin de chez gueudin. <laughs> je n'ai pas utilisé ce, ce, ce mot-là depuis longtemps. Mais du coup, c'est vrai que euh, on en avait parlé pendant euh, les, le, 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 le spécial euh, jeu euh, d'horreur. Mais euh, il est censé vous, vous emmener au milieu des, des phobies les plus euh, connues. Euh, je ne sais plus combien il y en avait. J'ai déjà oublié. Mais beaucoup. Je volte les nouvelles des jeux. Alors, du coup, Human Phobia. Attendez, je vais vous mettre mon écran. Du coup, hop, je vais aller sur euh, Steam directement. Humain de bien. Vous pouvez, euh, si, si vous tentez, euh, et vous tentez déjà la fois d'avant, vous pouvez. Attendez, je, je vais essayer de capturer mon écran. Voilà. Et, on va juste euh, récupérer Discord. Hop là! <coughs> Donc, une bien que je vous avais présenté à euh, Halloween. Sachez que dans, dans, les, dans tous les cas, vous pouvez. Il euh, n'y a pas de musique du coup, c'est pas un peu bizarre. Bon, on fout. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver <coughs> les jeux que je vous présente dans ma wishlist. Pardon. Et dans le canal euh, jeux vidéo. Euh, dans les euh, nouveautés. Euh, dans les jeux que je vous ai présentés et qui sont normalement, hop la sortie, il y a Europa. Non pardon, il n'est pas sorti. Il est toujours en attente, mais par contre cette fois il a une date. Il n'avait pas de date de, il n'avait pas de date. La Viranteine, je vous en ai pas parlé. <laughs> Dis donc Boj, t'es pas de me douiller. <laughs> la le repas qui n'avait bon. pas encore de date de sortie, en a maintenant une. Elle est prévue pour le 16 avril. Et euh, c'est dommage, c'est encore trop loin. <laughs> hop, euh, hop là Self qui est un, un, un jeu avec une histoire euh, normalement euh, poignante hein, euh, qui se passe également dans un monde euh, et, euh, euh, scandinave. Euh, avec euh, de la mythologie et un poisson géant, je veux pas voir ça. <laughs> celui-ci n'a toujours pas de date de sortie, mais il me semblait qu'il en avait un hein, pour le coup. Ça, euh, c'est terrible. Hein. Euh... Tcha 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 On en profite. Des euh, jeux, ils ont toujours rien. Pourquoi est-ce que j'ai présenté. Des... Alors lui, c'était sûr et certain, il avait une date de sortie pour 2023 et il a encore été annulé. Arrêtez d'annuler des jeux que je vous présente, ok Mais celui-ci, est-ce que vous vous en rappelez c'est un jeu euh, où tu peux... Euh, tu dois avancer dans ton petit monde. Et en fait, quand tu avances, ça découvre des cases. Et euh, j'aurais dû ressortir toutes mes notes parce que normalement, je les ai gardées. <laughs> Mais euh, là, je ne l'ai pas. Dans les jeux qui sont sortis depuis, on a est Là, comme Home, où tu joues à un petit champignon. Il n'était pas sorti à l'époque. Il devait sortir prochainement. Il a été retardé dans quelques jours, si je ne me trompe pas. Et il a fini par être bien sorti. Euh... Moi, je vous le conseille. Je sympa. vous le conseille. Euh, tu joues un petit euh, un petit champignon. Et puis, tu te balades dans un univers 3D sympathique. Il y a plein de trucs à faire. Mais regardez comme c'est mignon Ah oui, il faut avouer. Bah ouais, hein. Alors. Celui-ci n'est pas sorti. Celui-ci n'est pas sorti. C'est sûr qu'il n'était pas sorti. Premier trimestre en 2024. Je suis sûr qu'il y avait marqué mi-trimestre. En vrai, je crois que je l'ai présenté en mai. Donc celui-ci, euh, depuis le temps, euh, c'est sûr il était préparé avant. Ah, au début, je ne mettais pas trop les jeux qui, sont... qui étaient trop loin. Ah, là, là, là. C'est un jeu euh, de simulation de ferme. Mais pas que. Et tout ce côté. Avec des designs un peu particuliers, un peu différents de ce qu'on connaît finalement. Euh, c'est un oui, jeu oui. pour Olaf qui me l'offre. Celui-ci <laughs> Pardon. Euh... Hop là. Après, il y a des... Oh putain. Alors celui-là, je l'attends. Mais j'en ai marre de l'attendre. Alors, Fatadeum, c'est un jeu de gestion. Euh, où tu. C'est un god game finalement, c'est écrit en grand là, mais c'est pas grave. Du coup, c'est un jeu de gestion où es là. Ah et. Euh... <laughs> Celui du champi. Et, en fait, c'est trop bien, tu peux faire plein de choses, t'as plein d'interactions, il y a la démo qui existe. Moi, j'ai joué à la démo, j'étais là. Ok, ok, la démo est sortie, ok, donnez-moi le jeu maintenant. <laughs> Ça fait deux ans qu'on en entend parler, il est toujours pas là, et là, il y a marqué 2024, il n'y a toujours pas de date, c'est terrible. Terrible. Ah ouais. Ah c'est terrible. Vous voyez ce genre de oh, jeu là. Ah ouais c'est trop chiant. N'hésitez pas. tu hein, bah, bah, ouais. t'as le droit de m'interrompre et de me dire que ce, ce jeu t'intéresse. Bah <laughs> c'est un jeu de gestion quoi. Oui pour l'instant on n'est pas sur on n'est pas sur le genre de jeu. Euh, toujours chose. le truc. C'est un jeu de gestion. Ça reste euh, voilà c'est moins mon délire. Ah oh, non planète Oflana, of Lana, je crois qu'il était déjà sorti quand je l'ai présenté. Ova Magica que j'attends toujours aussi, il est dans ma liste de souhaits et il n'est toujours pas sorti alors qu'il était prévu pour 2023. Ah. Ova Magica c'est pareil, c'est un jeu euh, à la Star du Valais. Regardez, c'est pas compliqué, c'est écrit. Quand Star du Valais rencontre Pokémon. Ça avait l'air trop bien sur le papier, d'accord. Pourquoi ils l'ont pas sorti En vrai, ça me fait penser à Oublets aussi du coup. Pour ceux qui ont pas. Des bisous d'Orient. Bisous d'Orient, bonne journée. Oublette, c'est pareil, tu, tu fais euh, éclore euh, des oublettes dans ta ferme, mais du coup, euh... mais bon, ça a un côté un peu plus un peu moins Pokémon. Alors que là, vraiment, tu te balades au fil de la mesure du temps, des saisons, de tout ce qui passe, et tu tombes sur des petites créatures qui sont pas des Pokémon parce que ça s'appelle pas des Pokémon, mais bon, euh, c'est des Pokémon quoi. Et il avait l'air trop bien, mais euh, il est toujours pas sorti. Oh les mini, c'est un mini jeu ça. Oh c'est trop mignon. Ils sont frustrants, hein ah bah. euh, Ils sont chiants. Moi, ça m'énerve. Euh, dans les jeux, euh, j'avais testé euh, Oboe en live avant sa sortie, pendant le, j'avais fait le prologue en live avec et il est sorti et il est incroyable c'est un jeu où tu récupères des cartes au fur et à mesure de ton exploration donc c'est un jeu dans, dans, dans un univers post-apocalyptique avec des zombies c'est un jeu où tu crées ta maison mais vous voyez vous pouvez mettre vous-même les portes où vous voulez vous tournez vos toits c'est un truc super sympa et du coup tu crées ta map toi-même avec des cases et tu dois les mettre pour qu'elles qu coïncident les unes avec les autres hein. tu mets du désert à côté du désert etc il y a des morceaux il y a des cases avec des morceaux différents etc pour... euh pour faire des, des bifurcations finalement. Euh, ce jeu est très sympa. Euh, J'aime bien le fait qu'il soit en vue de... Enfin, il, il est dans une vue de trois quarts, qui est pas mal. Euh, et tu dois faire plein de choses. Tu dois euh, cu euh, cultiver, pêcher. Il y a plein de trucs à faire. La, la, bêta, la, 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 la démo était déjà très cool, mais euh, elle est euh, vraiment, vraiment bien. Nice. Ouais, celui-ci, euh, pour le coup... Euh, je l'ai beaucoup regardé, je n'ai pas joué, je l'ai beaucoup regardé. Alors Solar Punk, je vous l'avais présenté parce qu'il était en Kickstarter, et il n'est toujours pas sorti. Je vous annonce que je ne l'ai pas pris parce qu'à ce moment-là, il y avait trop de Kickstarter d'un coup. Mmh. Mais euh, gros... Euh... Gros délire ce jeu. Il a l'air trop bien, c'est ouais. un cozy game, euh, pas de... Pas de... Pardon. Pas de prise de tête. Euh... Pourquoi est-ce que j'arrive pas à ouvrir celui-ci, tiens. Ah, il a, il a changé de nom. Et, euh, et puis là, là, c'est date de parution que euh, c'est écrit prochainement. Hein, vraiment... <laughs> ah oui. Mais parce que pour l'instant, le Kickstarter, il est terminé depuis euh, quelques mois maintenant. Euh, Peut-être euh, un an maintenant plutôt. Et euh, en fait, il a. Il a. Il, est... il était loin dans son état de, de création. Oh, essa de... oui. C'est ça. Mais bah, quand as un Kickstarter, tu te dis tout de suite que c'est pas pour tout de suite, à part les gros Kickstarter. Euh, dans le genre, il y avait celui-ci qui à la base s'appelle euh, les Wizardry School Escape Room, mais finalement maintenant il s'appelle Mystic Academy. Je pense que euh, c'était peut-être plus simple pour eux au niveau du référencement. Euh, donc tu te balades, et tu es dans, tu es en fait tu es dans une escape game dans une école euh, magique. Une académie magique plutôt qu'une école de magie. Et euh, ce jeu est disponible euh, depuis donc euh, à, peu, à peu près un an. Mais à l'époque, j'en avais parlé aussi. Donc il a 10 euros, il a l'air très sympa. Les, les, les... Il y a beaucoup de bons retours. J'ai eu beaucoup de bons retours. J'ai pas regardé le let's play parce que j'espère le faire un jour. Mais c'est vrai que moi, je vous le conseille pour le coup. Ah oh, ça a l'air pas mal, hein? Ouais, j'aime bien, il y a plein de petites salles, plein d'univers différents, et puis tu dois t'échapper, tu dois mais est-ce que tu as vraiment envie de t'échapper à la fin En réalité, c'est pas... Euh, voilà, c'est ce qui est vraiment précisé ici, c'est que oui, c'est une escape game, mais parce que c'est ton examen de fin d'année. Ouais. L'épreuve finale pour devenir sorcier, tu es dans la salle d'évasion et il faut que tu arrives euh, à sortir, c'est le but. Ça fait partie de l'examen, t'es pas euh, un étudiant euh, bafoué euh, qui a besoin de, de s'enfuir. Oui, je... <laughs> Ah, je l'écris pas bien. Ah, attendez, je vais aller le chercher sur Google parce que je vais pas y arriver. Ah, on a Pulse dont je vous avais parlé là-haut à l'époque. Elle avait trouvé ça trop mignon, trop sympa. Mais il n'y a pas eu. Ah si, c'est pas sur Steam. Puffpauls, c'est juste ici. Je vais devoir recadrer l'écran du coup. <laughs> donc, Puffballs, c'est un jeu dont je vous ai parlé il y, a, euh, il y a un bout de temps. Maintenant, il était à l'époque en Kickstarter et maintenant, euh, donc regardez-moi ça. Je vous montre les petites images. Je dois avoir le trailer quelque part. Donc, tu es dans un jeu incroyable. D'ailleurs, les regardez-moi, c'est peluche. Il y a peluche, tu peux acheter, oui, forcément. Regardez-moi, c'est peluche. Sent, à partir du moment où tu fais ce type de, de jeu, euh, oui, faire les peluches, ça semble euh, obligatoire. Ça. Et du coup, tu, même, malgré le fait que le Kickstarter soit terminé, tu peux toujours euh, les soutenir. Bah, il faut avoir envie de les soutenir, hein, par contre, pour le, le dernier pack. <laughs> ouais. euh, un peu euh, cher. Mais... Un peu cher, mais après, il y, y a deux de tout. C'est pour pouvoir jouer euh, à deux. Donc le Alpha Tier te permet d'accéder tout simplement à l'alpha. Celui-ci te donne accès au contenu exclusif, les objets, les animaux, etc. Donc tout ce que tu vois là. Et le dernier, c'est doublé pour pouvoir jouer avec un copain. Mais il... Euh... Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas réussi à le trouver sur... Euh... sur Steam euh, ouais, ouais. c'est bizarre oui oui c'est un peu chelou mmh. mmh, peut-être qu'ils ont appelé ça island sky plutôt non c'est dommage parce qu'ils ont fait toutes leur euh, toute leur pub euh, autour de puff Pools. ouais non non et, et ça, ça, ça y est pas hein. oh ouais pourtant la bêta est ouverte donc euh, c'est euh... steam access to your Alpha est-ce qu'elle est cachée j'avoue que là euh, je, je c'est le flou artistique tu vois <laughs> ouais donc je Attends, Je aussi un pas. truc Apparemment, il sera disponible sur Steam Deck. Mais en fait, il y est, c'est juste qu'il est impossible à trouver. C'est assez euh, dommage euh... s'il si est censé être dispo et qu'il est juste pas référencé dans Steam, c'est un peu con, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il est euh, la... Il est caché. Sauf que du coup, moi, ça me donne pas envie de l'acheter parce que je me dis que peut-être la clé, elle rentrera, mais elle ne marchera jamais. Mm. Pas faux. Après, il y a eu un message le 5 janvier, donc euh... j'imagine que ça marche. Hein. Mais tu vois, tu as accès au... au canal de discussion, euh, à plein de trucs. Hum... Voilà, Alpha Confidence C'est pour ça. Mmh. Bon, cela dit, tout le monde qui cherche pourra trouver. Hein. Donc, euh... Euh, donc voilà, je pense que euh, tu n'as peut-être pas le droit de le stream, tout simplement. Euh, oui, c'est vrai que des fois il y a des jeux, ils veulent pas que ce soit streamé. Ouais, il y en a un. Donc en tout cas, euh, PuffPulse... Euh... J'en ai, ai pas compris d'ailleurs. Bah. Non, on ne veut pas que les streamers nous fassent de la publicité pour notre jeu. Imagine si Among Us ils avaient interdit de le streamer. Non mais Je Among Us quand il est sorti. Euh... Ça a fait un flop au mais Oui, oui c'est ça. Puis, puis il est sorti depuis si longtemps maintenant. Oui, mais il me semble que Among Us, pourquoi ça a cartonné C'est parce que des streamers, des gros streamers, ont commencé à, à se taper des délires dessus. Ah, oh bah oui Among Us, sans, sans Twitch et euh, YouTube aussi, du coup, ça aurait été un gros flop. Et euh, je me dis, euh, c'est dommage que des fois, des jeux, peut-être peut que tu as des, des studios qui se ferment des portes, je pense, en disant Ouais, euh, ah, vas-y, on veut pas qu'on stream notre jeu, mais les, les gars, c'est une pub énormissime, en fait. Oui, oui, non, enfin, mais clairement. Clairement. Après, il euh, y a plein de choses hein, de cette façon. Par exemple, euh... exemple c'est un truc tout bête. Mais euh, combien de fois euh, un livre n'a pas vu la suite parce que les gens l'achetaient pas, ils la trouvaient de façon gratuite sur PDF, et du coup ouais. ils l'achetaient pas, et du coup, les gens étaient là. Bah nous on l'a lu, on veut le voir la suite. Sauf que bah, sur ouais. les 500 personnes qui l'ont lu, peut-être que ça aurait suffi. Mais il mais y en a ouais, 14 qui l'ont acheté. Oui, mais, mais je comprends effectivement, oui. Donc, oui. oui, ça c'est malheureusement, c'est surtout. Parmi les jeux que vous avez présentés, il y a Exia également qui est sorti. Euh... C'est un jeu de stratégie et euh, il me semble que euh... Bon. Euh, tu rajoutes des cases et tu montes ta ville, c'est un jeu de gestion de stratégie. Euh... Tadam... Randoville Randoville, un jeu où tout se passe avec un dé. Tout ce que tu vas oh. faire si tu as un dé de merde tu peux oublier oh, oh ça ça fait marrant ça oui je... mais t'étais là quand je l'avais présenté en plus ouais, ouais, oui, ça. mais ça, ça, ça me fait beaucoup rire surtout que surtout que je, je, je suis reliste j'ai beaucoup de potes relistes la vanne du euh, imagine si ta vie était gérée par tes jet de on... dé oh, on... c'est très drôle c'est très euh... drôle Pandoville qui est axé en accès anticipé qui est qu il est à 15 euros euh, on en avait parlé la dernière fois donc en gros euh, est-ce que oui ou non euh, tu peux poser ton meuble bah on va le savoir ton bâtiment tu veux le poser très bien euh, jette un dé est-ce que tu arrives là il a fait un 20 donc il peut poser son bâtiment alors ici les bâtiments n'étaient pas euh, en, en, en bas il y avait pas il y avait pas l'image on en avait parlé mais euh, la, quand la démo est sortie euh, on nous a confirmé que oui, tout était possible. Par contre, si tu jettes ton dé et que tu fais un 1, il y a moyen que tu tues tes gens. <laughs> Mais faites ça dans la vraie vie, les gens. Ah, j'ai envie de manger un hamburger frites midi, vas-y, jette ton dé. Tu fais combien oh. 3 Bah, ce sera brocoli, mon gars. Bisous. Je veux des sushis Et j'ai fait 20 <laughs> <laughs> J'ai fait, <laughs> fait 20 Aïe, aïe, aïe Ah, c'est marrant J'ai fait 7 ah. sur 10 C'est bon c'est bon. 7 sur 10. J'ai des sushis, mais euh, je mangerai pas les... J'ai je, 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 pas le, le saké, voilà. Est-ce que j'ai est est le droit de commander euh, euh, Buffalo Grill ce midi, Tiens. Non ouais. <laughs> Voilà, tu manges pas Buffalo Grill, mais tu manges pas du tout <laughs> Ah non, mais je vais pas respecter le dé, moi j'ai faim <laughs> Oh, wow donc voilà, c'est vrai qu'on est, euh, est revenu un petit peu sur les, les jeux. Euh, parmi les jeux que vous avez présentés, vous avez présenté quelques kickstarters. Donc euh, Chill Town, qui, qui, avait, et, qui a été euh, édité par Cryptivo, euh, que vous avez déjà vu pour euh, de nombreux jeux. On ne s'en rend pas compte, mais il y en a plein qui, l'air de rien, qui sont présents. Il euh, y avait Love Chia aussi, qui avait eu un kickstarter ultra impressionnant. Mais, euh, Love Tia, mais pour l'instant, euh, on n'a pas de nouvelles sur. Euh... Ah, mais non, c'est parce que c'est un MMO. Je suis complètement à côté de mes pompes. Hein. Oh, mais non. <laughs> si, si, Loftia, c'est un MMO. Alors, je vais vous remettre la, la, la page du Kickstarter. C'est un peu. Euh... Alors, je vais aller carrément chercher sur Internet. Hop là. Mais c'était un jeu qui avait l'air très cool. Parce que là on a tout qui oh, est... Donc c'est fort dans mes oreilles. Attention, je vais vous frustrer. L'abandon, c'est bien plus long que ça. Vous irez la regarder. <laughs> Mais LoveYa, c'est vraiment un jeu qui euh, a de la gueule parce qu'il faut savoir que ce sera un MMO. Donc en fait, les gens que vous croisez, c'est des gens. Ça vrai hein Si ton personnage oui intègre un jeu, <laughs> oui en effet peut-être. <laughs> Mais c'est un vrai jeu où tu dois construire. En fait, euh, tout ce que tu donnes euh, dans la communauté, par exemple, quand tu as vu il y a un moment où tu participes à, au développement de quelque chose, tu n'es pas seul à le faire, vous êtes nombreux. Euh, c'est tout le principe euh, d'un co-op game, finalement. Euh, tu as euh, des systèmes divers et variés, tu dois rencontrer des gens, tu as plein de choses à faire. Et euh, si je ne me trompe pas... On n'a pas la date encore Non Non Décembre 2024, les gars. n'est pas couché. Hein. Mais, euh, ouais, non, mais il y avait plein de, plein de petites choses euh, qui sont assez intéressantes. Euh. J'étais en, en train de me dire, j'avais dit, dit un truc et en fait, euh, j'étais mute. Ah, dis-nous. Non, je disais euh, décembre 2024, ça c'est marqué des euh, dates de parution initiales. Ça veut dire ça se trouve, euh, ça sera en 2025 en fait. Oui. Il faut savoir que malgré tout, euh, le projet, il a un potentiel euh, impressionnant, imp important, euh, pour de nombreuses raisons. La première, c'est qu'en 24 heures, ils avaient récolté un million. <laughs> euh... Et avant la fin de leur campagne, ils avaient... Non, en, en 24 heures, ils ont récolté, pardon, euh, la demande de leur campagne, c'était... Ils avaient demandé... Attends. Ils avaient demandé... C'est plus écrit euh, À la base, ils ont demandé... Je sais plus. Ah si, euh, 150 000, pardon. Et euh, à la fin des 30 jours de la campagne, ils ont récolté 1 270 000. Oui, quand même. Autant te dire que euh, ce jeu, c'est comme Pallia. Ça va aller tout droit. <laughs> encore que Pallia est un peu moins, un peu moins coopératif. Donc c'est un, un cosy MMO. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Euh, on a. Euh, je vous ai reparlé du coup des jeux. Euh... <laughs> je sais pas à quel moment. Je reçois des messages qui réagissent à ce que je dis et ça que je sais pas. <laughs> je sais pas ce que je dois en tirer parce que j'ai le lit un peu en retard. <laughs> c'est drôle. <coughs> Du coup, on va faire un raid. Voyons voir. Euh... Il y a du monde. Euh, ouais, je sais pas qui raid. Il euh, y a Pomme, il y a Finkusan, il y a Mr. Bandalf. Alors, euh... je... je vais d'abord faire une annonce. J'avais oublié, quentre temps, je suis fatiguée, donc j'ai oublié. Les copains, je vous aime. Genre vraiment, hein et je sais qu'en plus, je vous ai déjà lâché vendredi et que lâcher l'après-midi, c'est pas bien. Mais je suis malade. Et je, je tiendrai pas. Je tiendrai pas. Genre, genre, pas. genre euh, là, euh, je peux pas. T'en fais pas, Lulu. Pe personnellement, il va falloir que je taffe un peu cet après-midi. Euh, donc, je ferai pas. J'y je, 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 ai, ai pensé à, à le faire, moi, l'après-midi. Donc, j'ai je, je, trop de choses à faire pour streamer cet après-midi. Par contre, je pense qu'à un moment donné, je tafferai en mode chill sur le Discord. Donc, euh, je traînerai une partie de l'après-midi la, de sur le Discord, je pense. Si non, mais. Que ça... Et voilà, dis pas ça à boche parce qu'après, moi, je vais me sentir coupable. pour savoir que l'après-midi, c'est mon taf. Euh, et si j'avais prévenu à l'avance que, que ça allait pas à ce point, euh, peut-être que quelqu'un aurait pu reprendre. Mais j'ai prévenu rien, personne que d'elle. Je... je suis restée dans mon mal après moi je peux vous lancer un live il n'y a pas de souci hein. je mets une petite musique euh... et, et c'est tout <laughs> je me laisse l'intro pendant deux heures j'aime bien le et c'est tout <laughs> je laisse l'intro pendant deux heures il n'y a pas de souci mais j'en vois pas l'intérêt et c'est pas Hudson de reprendre euh, ça aurait pu se faire si peut-être peut, -être... peut -être Hudson ou quelqu'un d'autre si j'avais pas décollé, mais là... Euh... Ça, c'est déjà fait hein, que quelqu'un fasse pas l'après-midi et que quelqu'un. Enfin, et que la personne du brunch fasse pas l'après-midi et que quelqu'un d'autre prenne. Mais après, en vrai, si on peut pas, on peut pas. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Tu... Déjà, j'espère que tu vas récupérer du chauffage très vite. Ah oui, moi aussi. Mais en fait, euh, du coup, moi, j'ai besoin d'un avis euh, constructif et posé. Euh, C'est-à-dire qu'ils m'ont dit il euh, y a peu de chances que ce soit fait avant le week-end. Par contre, est-ce que ça veut dire que lundi, je l'aurai avant midi ou pas Parce que moi, si lundi à midi, je l'ai toujours pas, c'est-à-dire qu'à 14h quand ça arrive je vais appeler, ils vont me dire oui, mais le, le mec, il vient cet après-midi. Je dis oui, mais moi, on ne m'a pas dit. Donc j'ai envie d'appeler le lundi 8h. Mais lundi 8h, bien sûr que si ça n'a pas été fait ce week-end, à lundi 8h, ce sera pas encore fait. Ça paraît évident, vous voyez, mais à quelle heure j'ai le droit de m'énerver C'est une bonne question. Je ne sais pas. Euh... Mais il faut que ce soit réglé lundi, quoi, sinon c'est abusé. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Il faut que ce soit réglé vendredi, là. Il y a deux jours. <laughs> ah non. Mais bref, allez, on va dire que. Si c'est pas. Le problème, c'est que si j'appelle à 16h euh, et qu'ils me disent Ah oh, ben là, on met là, ça a toujours pas été réglé, euh, peut-être demain, ça va me saouler. C'est pas faux. Ils auraient dû nous dire, ah ben on a envoyé quelqu'un, c'est toujours pas réglé chez vous Ah mais ben c'est trop tard pour aujourd'hui, ce sera demain. Vous voyez le problème du. Ouais, à 14h Allez, à 14h hein. <laughs> Je les appellerai lundi à 14h. Mon dieu, quel enfer. Euh, franchement, dès 8h tu peux aller. T'as passé le week-end dans le froid. Mais je le savais Parce qu'elle me l'a dit, elle m'a dit là, c'est compliqué. En plus, quand je l'ai eu au téléphone, elle a compati la madame, parce qu'elle est gentille. Il faut savoir que, comme euh, je ne me sentais pas très en forme et que je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais passer trois heures dans mon lit, je me suis mis de l'aloe vera sur les cheveux pour les rendre plus vivants. <laughs> du coup, j'ai passé littéralement euh, de nombreuses heures avec de l'aloe vera dans les cheveux, à pas pouvoir les rincer à l'eau froide, parce que voilà, et pas le courage de faire chauffer la bouillard. <laughs> euh... Oh, je voilà allez euh, c'est pas grave ça c'est des fun facts euh, pas fun <laughs> mais euh, ça marche ouais t'as raison je vais les appeler surtout pour être sûr qu'il s'est pas oublié non mais parce que je me laisserai pas oublier <laughs> non t'as tant... oh, bien raison t'as bien raison hein. oh, non je suis trop râleuse hein. moi je suis une bonne française hein. du coup à qui qu'on fait un raid faut choisir pour oui. moi parce que je suis pas capable de réfléchir <laughs> Je Alors, je sais pas moi, j'en vois trois, trois euh, qu'on qu raid euh, à tour de rôle, souvent il y a Pomme, il y a Fifousen, il y a Bandalf. je sais pas qui on arrête. Euh... Euh, je sais pas qui on raid euh, le plus récemment euh, parmi tous ces... toutes ces personnes. Donc euh, je sais pas. On va raid sans... Fifou qui joue à Prince of Persia qui vient de sortir, au moins c'est un jeu. Yes, raidon euh, raidon Fifousen. Il vient de... oh non, officiellement, il sort demain et il est en avant-première. Donc, on va faire ça. Yep, très bonne idée. On l'arrête récemment Bah, tant pis. C'est le seul qui est sur un jeu. <laughs> ouais, mais de toute façon, c'est le lieu qui décide, c'est ça, Oh, pardon. T'en fais pas. Euh... Non, mais en vrai, euh, comme c'est le seul qui est sur un jeu, mais sinon, oui, en effet, j'aurais sûrement pas raid Si on l'a déjà fait. Les deux les autres aussi, on arrête la semaine dernière. Ok, bah du coup, euh, je propose de de, de s'abonner à des gens qui stream le vendredi le dimanche pour avoir uh, des nouvelles personnes. <laughs> <Aide. Ouais. rire> la prochaine fois, je raiderais euh, une chaîne qui s'appelle Laptar Twitch. <laughs> non, Dragon Démote. <de> <laughs> non, mais j'aurais pu regarder euh, d'autres gens, mais ouais, non. Allez. Sinon il y a DJ Mario, ouais, mais moi j'avoue que la musique, euh, pas mon délire, et les trucs What the c'est pas mon truc. Du coup je raid pas, parce que je consomme pas. <laughs> pas de soucis. Bon bah maintenant que la magie euh, fait plus le, il fait vaisse... plus la vaisselle, qui sait qui fait. Est-ce qu'on en verrait pas Boj ouais Boj, tu fais la vaisselle s'il te plaît, t'es gentil. S'il te plaît, merci bisous allez salut. <laughs> J'ai vraiment eu envie de couper sur ça. Toi Dieu Salut <laughs>